Bonjour à tous, je suis ravie de vous accueillir pour cette conférence en ligne consacrée au bien-être des étudiants et à la prévention des risques psychosociaux. Donc, je suis Pascale Mathieu, je suis la présidente du Conseil national de l'Ordre des kinésithérapeutes et c'est un vrai plaisir pour moi d'ouvrir cette conférence, même si je préférerais ne pas avoir besoin de me pencher sur ce sujet qui est d'une importance majeure. Alors, depuis 2011 que je suis au Conseil national, eh bien, j'ai eu à travailler avec les étudiants, avec notamment la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie, la FNEC. Nous avons des contacts très étroits et depuis 2011 que je suis là, mais même avant bien sûr, nous portons de nombreux projets que nous avons essayé de mener à bien ensemble, que ce soit la réforme de la formation initiale en 2015, la revendication constante, si je peux dire, sur les frais d'université et le frais de la formation initiale des kinésithérapeutes, sur aussi, bien sûr, la reconnaissance du grade master, sur la possibilité pour les étudiants de travailler pendant leurs études en ayant un statut particulier qui leur permettrait de faire quelques actes de kinésithérapie. Donc, vous l'aurez compris, nous avons des relations étroites avec les étudiants et nous avons été particulièrement sensibilisés par toutes les difficultés qu'ils rencontrent depuis un an que la crise s'est installée, hein, puisque ça fait malheureusement un an et c'est un triste anniversaire que nous sommes en train de subir et non pas de célébrer, c'est-à-dire le début de la crise sanitaire, l'apparition du Covid-19 dans nos vies et tout ce que cela entraîne. Alors, pour chacun de nous, bien sûr, dans notre vie personnelle, mais plus particulièrement pour les étudiants qui se voient devoir mener à bien des études dans des conditions extrêmement compliquées. Donc, c'est pour ça que nous nous sommes penchés sur cette question et que je suis entourée de conseillers nationaux à qui je vais donner la parole, mais également de plusieurs acteurs qui vont vous présenter un projet que nous avons mis en œuvre ensemble pour essayer d'aider les étudiants à traverser ce cap, mais qui ira bien au-delà d'ailleurs. Bien sûr, tout ceci n'est pas organisé par l'ordre qui dit aux autres ce qu'ils doivent faire, mais c'est une co-construction que nous avons avec les étudiants, avec les directeurs des instituts de formation, avec les conseillers nationaux et vous verrez avec des acteurs spécialisés dans le sujet des risques psychosociaux qui nous accompagnent. Donc je vais laisser la parole à Jean-François Dumas, le secrétaire général du Conseil national, qui est à distance et qui va vous présenter les divers intervenants qui vont prendre la parole pour vous présenter les actions que nous avons l'intention de mettre en place. Merci à tous et je vous souhaite une bonne conférence. Bien, bonjour. Merci Madame la Présidente. Bienvenue à tout le monde sur cette conférence qui, Madame la Présidente l'a rappelé, qui n'aurait jamais dû exister, on n'aurait jamais dû être obligé, être contraint d'organiser une telle conférence, mais la situation est telle que nous sommes extrêmement effectivement attachés au devenir de nos futurs confrères et que nous souhaitons en tant qu'ordre venir en soutien parce que nous avons une certaine expérience. Je rappellerai juste que le pur scandale que constitue la formation des futurs kinésithérapeutes qui pour plus de la moitié d'entre eux sont contraints de financer leurs études et ce problème du financement vient évidemment s'ajouter aux difficultés actuelles et explique en grande partie pourquoi un grand nombre d'entre eux sont dans une situation extrêmement périlleuse actuellement. Voilà, je suis le secrétaire général du Conseil national de l'Ordre et je voudrais que Michel Arnal, vice-président et qui connaît le sujet pour traiter effectivement la mission d'entraide au sein de l'Ordre, se présente. Michel Arnal, je te donne la parole. Michel Arnal, donc kinésithérapeute, exerçant toujours en libéral et assumant au niveau du Conseil national la fonction de vice-président. La présidente et le bureau m'ont confié effectivement la mission de travailler sur la qualité de vie au travail des kinésithérapeutes et les risques psychosociaux. Et dans ce travail, au cours de ce travail sur lequel on pourra revenir par la suite, eh bien, il y a eu effectivement échange avec les étudiants
Et c'est au travers de ces échanges qu'effectivement l'idée est venue de travailler ensemble sur la mise en place d'une sensibilisation et d'une formation à la notion d'acteur relais. C'est Merci Michel. Durie, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît? Merci. Te présenter. Hein, on fait un tour de C'est table de vrai. chacun et puis ensuite chacun prendra la parole. Jean-François, on ne t'a pas entendu. Adam? Du coup, bonjour, Oui, je merci pour souhaitais que Adam se l'invitation. présente. Exactement. Voilà. Du coup, je suis Adam Dury, président de la Fédération nationale des étudiants en kinésithérapie. Donc, c'est une fédération qui existe depuis 2002 et qui représente l'entièreté des étudiants kinés de France métropolitaine et d'outre-mer. Est-ce que C'est tu vrai peux qu'on nous dire travaille du combien coup il y a d'étudiants? 12 000 étudiants, et Voilà. Et combien sont obligés approximativement. de financer leurs études? Combien C'est sont vrai obligés que. de financer leurs études au-delà des frais universitaires? On est d'accord, on a sorti un indicateur de la rentrée du début de notre mandat, parce que du coup j'ai pris le mandat de président de la FNEC en juillet. Et en septembre, nous avons sorti un indicateur de coût de la rentrée qui est approximativement 5 000 euros plus cher que le coût de la rentrée des étudiants en France, donc en moyenne. C'est quand même assez énorme. Ça représente bien du coup la précarité dans laquelle peuvent être ces étudiants. Du coup, je disais, on travaille en effet depuis le début de mon mandat sur ce projet et d'autres d'ailleurs. Et ça fait un petit moment que la FNEC essaye de sensibiliser sur la question des risques psychosociaux, parce qu'il ne faut pas l'oublier, les risques psychosociaux sont présents depuis bien plus longtemps que la crise sanitaire. Et si la crise sanitaire a eu quelque chose de positif, c'est qu'elle a quand même mis en avant cette problématique et qu'actuellement, de nombreux acteurs essayent de faire des choses pour améliorer ceci. Donc actuellement, on a un projet à vous présenter et j'espère qu'il motivera plus d'une personne. Merci beaucoup. Je voudrais que Pascal Gouilly, qui est directeur d'un institut de formation en masso-kinésithérapie, mais également président du syndicat qui regroupe un grand nombre de directions d'établissement, se présente. Pascal Gouilly, je te transmets la parole. Alors, si Pascal n'est... Oui, tu ne... Bonjour. Alors Tu j'ai devrais mettre ton l'impression micro. que Jean-François Dumas m'a demandé de me présenter, mais c'est parce que je Il lis faut que sur tu les branches ton lèvres, micro. parce qu'on ne l'entend pas, et j'espère qu'on m'entend d'ailleurs. Pascal Gouilly, donc je suis kinésithérapeute, directeur de l'IFMK de Nancy, institut privé à but non lucratif, dont les frais de scolarité sont de l'ordre de 800 à 900 euros. Et surtout, je suis là aujourd'hui en tant que président du syndicat national des institutions en masso-kinésithérapie. Je suis le président depuis décembre 2017 et heureux d'être avec vous. Alors, je dis Pascal Gouilly, est-ce que vous m'entendez? Oui, Jean-François, et malheureusement, Monsieur Éric Galam, peut-être que tu peux le présenter, ne peut pas Oui. être avec nous pour le moment. Il se reconnectera plus tard parce qu'il a été appelé pour une urgence. Donc, nous l'aurons avec nous selon le déroulé que nous avons prévu. Mais peut-être que tu peux expliquer qui il est et pourquoi il interviendra après, s'il te plaît. Oui, nous avons souhaité qu'il nous soit des nôtres parce que monsieur le professeur Galam a créé un DU extrêmement intéressant, que connaît d'ailleurs très bien Michel Arnal, un DU qui s'intitule Soigner les soignants. C'est absolument moderne. J'ai fait mes études et j'ai été diplômé en 1987. C'était un débat qui n'existait même pas. Les soignants étaient comme toute la population, ils étaient parfois effectivement malades. Mais être malade de soigner, c'est absolument moderne. Et c'est le rôle de ce DU, c'est de prendre en charge justement les gens, les professionnels de santé, qui, à force de soigner les autres, deviennent malades eux-mêmes. Soigner les soignants. Michel Arnal, tu peux peut-être présenter ce DU rapidement, puisque je crois que tu t'y es formé. Alors effectivement, ce DIU,
en fait, concerne en fait l'ensemble des soignants, alors que dans un premier temps, il était entre guillemets réservé aux médecins. Il a été étendu à toutes les professions de santé et c'est un DIU qui vise effectivement à donner à des outils à des professionnels de santé, donc de façon à tendre la main aux professionnels en difficulté identifiés. C'est un principe d'entraide, l'entraide interprofessionnelle et d'accompagnement des professionnels vivant des difficultés. Nous aurons l'occasion de revenir sur ces grands principes parce que c'est vraiment un événement important que nous sommes en train d'initialiser avec les étudiants. C'est cette notion d'aide et de tendre la main sur des professionnels ou des étudiants vivant des difficultés. Merci beaucoup. Donc avant de lancer les débats, je voudrais inviter effectivement l'ensemble des étudiants, l'ensemble des professionnels qui sont en contact d'étudiants qui les accueillent en stage, s'ils le souhaitent, à témoigner effectivement de ce que peut être on peut appeler ça le parcours du combattant de l'étudiant en kinésithérapie. Les témoignages sont très importants, nous nous engageons à les relayer, nous pouvons vous assurer que le ministère de la Santé et des Solidarités au plus haut niveau est extrêmement attentif à ce qui peut se passer au sein des diverses formations en santé, mais notamment chez les étudiants en kinésithérapie. Donc n'hésitez pas à nous faire part de vos témoignages, c'est extrêmement important pour que l'ensemble de la population, de la profession et l'ensemble des décideurs, l'ensemble des politiques prennent bien la conscience de ce qui se passe sur le terrain. Voilà, nous allons vous présenter le dispositif. Je vais redonner la parole au président de la FNEC et à la présidente du Conseil national. Mais n'hésitez pas à témoigner et à poser bien évidemment toutes vos questions extrêmement pratiques auxquelles nous essaierons de répondre. Merci. Beaucoup Jean-François Dumas. Donc Adam, si tu veux bien nous présenter la situation des étudiants et puis ce que tu veux nous dire, ce dont tu veux nous faire part. Hein. Bien sûr, ici, la parole est totalement libre. Avant tout, je vais essayer de faire un point de contexte et potentiellement mettre en avant ce que la FNEC a fait, ou du moins a fait depuis le début de mon mandat, pour l'aide aux étudiants, notamment sur leur santé mentale et pour diminuer les risques psychosociaux. Est-ce que je peux voir le diaporama? Merci. Donc tout va commencer avec les événements de cohésion que la FNEC peut organiser. Il se trouve qu'avant tout, on est une association étudiante, donc il faut parler aux étudiants. Et pour parler aux étudiants, il faut leur permettre de lutter contre l'isolement et de créer un réseau entre étudiants kinés. Là, on peut voir différents événements que l'on a organisés. Des jeudis et soirées, ça a été un rituel pendant le confinement, avec des thématiques comme le sport, les jeux en ligne, la cuisine. L'idée, c'était vraiment de se retrouver en cette période où les étudiants pouvaient être isolés dans un 9 mètres carrés, se retrouver derrière l'écran, certes, mais avec des collègues étudiants kinés dans tous les coins de la France. C'était assez sympa, du coup. On a organisé des événements de cohésion aussi lors de nos assemblées générales, parce qu'on a beau dire, mais une assemblée générale, toute une journée derrière un écran, à parler de choses sérieuses, bah, ça peut être plombant, on comprend les étudiants aussi. Du coup, ici, c'était un escape game où la FNEC combattait contre coronavirus, le méchant romain, lors de notre assemblée générale intitulée l'Agestérix. Et il y a eu aussi une séance de méditation avec Axel Mokri, une spécialiste de la santé mentale, qui nous accompagnait pour cette soirée. D'un point de vue un peu plus politique, nous avons une grande campagne de communication avec les fédérations de santé et la FAGE, la Fédération des associations générales étudiantes. Cette campagne s'appelait Pronostic mental engagé. C'est une campagne qu'on faisait sur à peu près tous les réseaux sociaux, mais notamment particulièrement Twitter, parce que c'est un réseau social très politisé. Il y a eu des infographies, des témoignages qui ont été transmis. Il y a eu des actions politiques qui ont été faites aussi, qui avaient pour objectif de toucher directement les politiques le plus haut placé possible,
mais aussi le grand public pour qu'il soit sensibilisé aux questions. Alors, on parlait lors de la première semaine de campagne de la réforme d'entrée dans les études de santé, qui actuellement est un problème majeur dans notre système parce que nous sommes en réforme et du coup, des étudiants en première année souffrent de celle-ci. En deuxième semaine, on parlait de la mobilisation des étudiants pour aider le personnel soignant pendant la crise sanitaire. Et c'était pendant la période de la deuxième vague, notamment. Et ensuite, nous avons fait une semaine qui englobait la thématique de la santé mentale, où l'ensemble des fédérations de santé s'est réuni pour créer un rapport santé mentale que l'on a envoyé à l'ensemble des politiques. L'idée, c'était de faire bouger les choses et qu'on nous entende étudiants en santé. Autre chose, à la FNEC, on a un pôle défense des droits des étudiants. Ici, vous pouvez voir Raphaël Gauthier et Valentine Largillière, qui sont VP et CM Défense des droits à la FNEC. Vice-présidente et community manager, alors CM. Vice-présidente et chargée de mission. Ah, tu vois. Désolé. ici, c'est une adresse mail, mesdroits@fnec.fr. J'ai déjà pu la communiquer lors d'événements avec le Conseil de l'Ordre. C'est une adresse mail qui est anonyme. Donc, vous pouvez envoyer des messages et ces deux personnes seront là pour vous aider, pour vous accompagner. Alors, ça peut être des messages sur votre bien-être, votre santé mentale, mais ça peut être aussi sur des problématiques au sein de vos études, de vos stages ou alors de la vie tout simplement. Bref, si vous êtes étudiant kiné et que vous avez besoin d'aide, on a un pôle, on a une adresse mail, vous pouvez nous contacter par là. Et actuellement, depuis le début du mandat, elles ont été sollicitées énormément et elles ont fait des merveilles auprès des étudiants. Est-ce que je peux te poser une question ? Je vous écoute. Oui, de nombreux étudiants en kinésithérapie ont recours à un prêt étudiant pour financer leurs études. Est-ce qu'on peut connaître le montant de ces prêts ? Est-ce qu'on peut connaître aussi les remboursements, les mensualités qui doivent être remboursées dès qu'ils vont travailler ? Alors, les montants de ces prêts, ça peut aller jusqu'à 50 000 euros. Mais sinon, c'est, je crois que le prêt moyen, une diapositive plus tard l'expliquera, le prêt moyen tourne autour de 5 000 euros chez les étudiants kinés. Et on verra que le pourcentage de prêts étudiants chez les étudiants kinés est largement, largement supérieur à la moyenne nationale. Maintenant, les mensualités. D'accord. Donc, je te laisse développer. Mais il est bon. J'en reparlais. Je vous avoue que les mensualités, par contre, moi personnellement, je n'ai pas de prêt étudiant et que je n'ai pas de visibilité sur ça. Sachant qu'à l'hôpital, le pôle défense des droits, lui, connaît cette problématique que trop bien. Je vous écoute. Je te laisse poursuivre. Parfait. Les projets avec le Conseil national de l'ordre, du coup. Alors ici. On a une image qui reflète le projet qu'on va vous présenter. Donc, le projet Acteur Relais, c'est un projet qu'on travaille depuis maintenant quelques mois, qui est réellement bien avancé, tellement avancé qu'on peut vous le présenter aujourd'hui. Et le projet des 40 000 euros, c'est un projet à la FNEC qui est de créer une charte qui permettrait de distribuer cet argent, cette aide que le Conseil de l'Ordre a transmis à la FNEC pour les étudiants en détresse. Donc des pistes de réflexion, comme on en a parlé, on a fait un live Facebook qui a expliqué à peu près comment ça se passerait. Actuellement, on a rencontré deux fois nos administrateurs pour discuter d'une charte. Et donc rien n'a encore été voté. Je rappelle qu'il faut que cette charte soit votée par les étudiants pour que ça soit validé. Maintenant, dans les pistes de réflexion, il y aura la possibilité pour toute personne en études de kiné d'avoir recours à cette aide, d'être éligible, mais aussi potentiellement pour un projet de BDE qui touche à la santé mentale et au bien-être. L'idée vraiment, c'est de pouvoir toucher le plus de personnes possible. Et on estime par exemple que si un BDE a un projet qui touche au bien-être et qui peut aider des étudiants sur le terrain, si c'est un BDE, il va toucher tous les étudiants de son IFMK. Donc, on touche encore plus de monde avec cette aide et du coup, l'aide du Conseil de l'Ordre serait bénéfique.
L'idée pour toucher le plus grand nombre de personnes, ça serait un maximum de 200 euros par don. Alors, comment demander? Ça serait un PDF dans lequel il y aurait une lettre courte, un montant précis demandé avec des documents justificatifs. Par exemple, si vous avez besoin d'une clé USB, une clé 4G, désolé, pour suivre vos cours en distanciel, bah, il suffit de montrer, bah, de nous demander le prix exact de la clé 4G et nous, lors d'une commission plus tard, je l'ai mis à la fin, création d'une task force, nous pourrons vous délivrer cette aide. Attends, juste, j'ai oublié un point. Avoir déjà fait des demandes d'aide auprès du CROUS Région FEDETE. Alors, c'est notamment pour ça que j'ai mis cette diapositive dans cette conférence. Il y a de grandes chances pour que vous soyez éligible, vous soyez obligé d'avoir fait une demande d'aide au préalable. Donc, n'hésitez pas dès maintenant à vous renseigner auprès du CROUS, de votre région ou même de vos fédérations territoriales, pour savoir si vous pouvez avoir des aides alimentaires, si vous pouvez avoir des aides financières, notamment avec le CROUS, il y a les ASAP, mais aussi la région qui peut vous donner des aides d'urgence. Voilà. Adam, pardon, tout ça de toute façon, vous l'avez sur le site, j'imagine, et puis Alors. vous pouvez aider les personnes, mais qu'est-ce que c'est FEDETE? FEDETE, Fédération FEDETE Territoriale, Territoriale, qu'est-ce que c'est? si vous... Fédération de FNEC, Territoriale. la FNEC? Non, non, Ah non. la FNEC est une fédération de filières, donc elle représente l'ensemble des étudiants d'une même filière, une fédération territoriale. Pour ce qui est de ma part, vu que je viens de Lyon, ça va être Gaélis. Gaélis, c'est une fédération qui regroupe l'ensemble des étudiants de Lyon, D'accord. que ça sans filière de distinction. D'accord. Voilà. Et Merci. par exemple, c'est ces fédérations qui organisent la distribution d'aide alimentaire ou qui ont des agoraïs, donc des épiceries solidaires, où certaines personnes, avec encore une fois une charte détaillée pour être éligible, peuvent aller chercher des denrées alimentaires à moindre coût. Voilà. Et il Le y aura problème des... actuel, c'est que certains étudiants n'ont pas de quoi manger matin, midi et soir. Bah, du coup, les agoraé et les distributions gratuites de paniers repas sont des aides qui permettraient à ces étudiants de trouver de quoi se nourrir assez D'accord. facilement. Parce Et qu'au-delà du de ces coup, nous, agoraïs, notre quand on aide, voit 200 euros, et nous, certains pourraient penser que 200 euros, c'est pas beaucoup. Mais 200 euros, ça peut assurer un certain nombre de repas sur les jours qui vont venir. alors 200 euros Et on en parle. actuellement, si on se base sur les critères de l'URSSAF, on estimait pour un mois de repas que ça faisait à peu près 300 euros. Donc, si on délivre un don monétaire pour des denrées alimentaires, on se basera sur ce chiffre de l'URSSAF et donc chaque C'est 20 jours. semaine sera financé avec cette clé. Je crois que c'est 4,90 euros le repas ou quelque chose comme ça. Oui, je vois que vous avez déjà bien travaillé le dossier. Bah, l'idée, c'est d'être Ouais, oui. clair pour Donc. que bah, chaque étudiant soit. Bah, déjà que ça soit clair pour chaque étudiant Et qu'il y ait de et l'équité. qu'il y ait de l'équité entre chaque, avec le moins de discrimination possible, surtout. Non, parce que je voudrais tout de suite répondre aux critiques sur le montant qui pourrait éventuellement apparaître. C'est 20 jours, 200 euros, ça permet à un étudiant de manger pendant 20 jours. Et on en est là. En 2021, on en est à tenter d'aider certains étudiants qui ne peuvent pas manger à leur faim, alors que les études nécessitent bien évidemment de manger correctement. Et je m'explique sur ces 200 euros. Pourquoi 200 euros? Parce que ça permettrait d'aider 200 étudiants. Si on diminue ce chiffre, ça permettrait d'en aider plus. Mais vous le comprenez bien, au bout d'un moment, si on donne 3 euros à tout le monde, bah, Ça sert à ça rien. sert à rien. Mais si on augmente, bah, on aide moins d'étudiants. Donc, bah, potentiellement, nous, on va devoir faire des choix. Et je vous avoue qu'en tant que représentant des étudiants, et depuis bientôt un an, représentant des étudiants en souffrance, ça va être très dur déjà de faire des choix pour distribuer de l'argent. Mais voilà, si on peut en aider le plus Est-ce possible, que... bah, on en D'accord. aidera le plus possible. Et du coup, si on peut Donc, dans mettre la les dernière questions. diapositive, désolé Oui, mais d'abord, Jean-François. il y a des Ah, je questions voudrais sur qu'on le donne la chat. priorité aux questions. C'est Il y a des beaucoup plus questions sur le important, je chat. pense, de répondre aux D'accord, questions j'avais pour pas dérouler entendu. la diapositive.
Et non, c'est pas grave. On nous pose la question suivante, et je pense qu'elle est très pratique, il faut absolument y répondre. Pourquoi le choix de faire une demande préalable au CROUS ? Alors, pourquoi ? Est-ce que vous imposez ce choix ? Alors, pourquoi ? C'est tout simplement parce que nous estimons que nous ne devons pas concurrencer les aides déjà existantes. Parce que c'est simple, actuellement, les étudiants kinés, on demande à pouvoir bénéficier de ces aides du CROUS. Demain, si avec le CNOM, on se rend compte qu'on peut être autonome, alors pourquoi le CROUS nous délivrerait une bourse? Et c'est pareil pour les denrées alimentaires. Pourquoi nous allons distribuer des paniers repas gratuitement si l'étudiant peut aller chercher ce bien au sein d'une agorae? Actuellement, il n'y a pas des agorae partout, donc il y a des étudiants qui potentiellement sont de besoin et ne peuvent pas aller dans une agorae. Et là, notre aide sera vraiment pertinente. Mais si cette aide existe déjà quelque part, nous estimons que d'autres personnes peuvent être aidées. De toute façon, si vous avez sur votre site recenser la totalité des aides auxquelles peuvent prétendre les étudiants, nous, on pourra mettre un lien et renvoyer vers vous, parce que de ce que j'entends, c'est que peut-être certains étudiants ne sont pas du tout au courant non plus de ce à quoi ils ont droit, ou aussi, par pudeur, par gêne, n'ont pas voulu aussi aller solliciter. C'est quand même compliqué d'aller demander de l'aide quand on a du mal à se nourrir, je peux le comprendre. Exactement, ça fera partie de notre campagne de communication auprès pour cette entraide. Et je pense du coup qu'on rentrera en contact ensemble pour communiquer dessus. Ça va être un grand enjeu, la sensibilisation sur les autres aides, pour que les personnes soient éligibles à l'entraide que vous nous avez offerte. Alors, merci pour cette réponse qui nous était posée par Dontenville et qui en profite pour... je vais lire son message. Merci beaucoup pour cette intervention et cette démarche main dans la main entre la FNEC et le Conseil de l'Ordre. Une autre question qu'il me semble important de citer, de Peter. Un questionnaire a-t-il été envoyé aux étudiants pour savoir combien sont en demande? Alors actuellement, pas du tout. Pour recenser ça, je vous avoue que ça va prendre beaucoup de temps. Déjà, pour créer ce cahier des charges, ça prend beaucoup de temps. Donc actuellement, ce qu'on fait, c'est vraiment on travaille avec les administrateurs au sein des BDE. Il y a des représentants de la FNEC au sein de chaque BDE qui sont élus par les étudiants au local et du coup qui les représentent. Et on réunit ces administrateurs et on discute ensemble des modalités de distribution. C'est actuellement comme ça qu'on fonctionne. Et c'est vrai que je pense que ça va être la surprise lorsqu'on va recevoir les demandes. Hein. Clairement, on risque d'être surpris par le grand nombre de demandes qu'on va recevoir. Mais je pense que recenser actuellement... C'est trop tôt. Tant qu'on n'a pas le cahier des charges, tant qu'on n'a pas recensé toutes les aides possibles, oui, tu as raison. Ça va nous demander aussi beaucoup de temps et du coup retarder encore plus la distribution de cet argent. Merci pour cette réponse. Une question de Cécile Lemoteux. Y aura-t-il une date limite pour faire les demandes individuelles ou celles des BDE? On va communiquer dessus lorsque tout sera voté et tout sera cadré. Mais en effet, il y aura vraiment un intervalle de temps où vous pourrez envoyer votre demande. Et c'est pour ça que je vous invite vraiment à aller vous renseigner auprès du CROUS, des régions et des fédérations territoriales. Parce qu'actuellement, si vous n'avez pas fait cette demande pendant cet intervalle de temps où vous pouvez nous envoyer votre requête... Il va y avoir du temps perdu. Avoir du temps perdu et vous risquez de louper la deadline. Je pense qu'il était très important de rappeler que cette aide ne vient pas se substituer aux aides déjà existantes, mais elle vient les compléter. Et il est important dans ce dispositif que toutes ces aides, effectivement, puissent être portées à disposition des étudiants, parce que la situation est telle que rien ne doit pouvoir leur échapper. Je te laisse reprendre le fil de ta présentation. J'ai bientôt fini. L'idée, c'était juste de dire que ce cahier des charges allait être voté lors de notre congrès. Je ne sais pas si on voit la diapo à l'écran. Voilà. Non. Le vote sera fait au congrès de la FNEC. Alors, le congrès, ça sera du 19 au 21 mars. D'ailleurs, tous les étudiants sont invités à participer. Alors, c'est en distanciel sur le thème de l'écologie
Et du coup, sera voté ce cahier des charges en Assemblée générale. Le congrès est gratuit vu qu'il est en distanciel. Donc vraiment, allez sur la page de l'événement, n'hésitez pas. On vous attend nombreux. Merci Adam. Alors, Jean-François, Adam a terminé sa présentation. Alors moi, j'aimerais que Michel Arnal présente effectivement son expérience en la matière vis-à-vis des professionnels et quelle analogie il peut faire finalement entre la situation de certains professionnels en burn-out, en souffrance au travail, et celle des étudiants. Alors effectivement, lorsqu'on s'est posé sous l'impulsion de la présidente, la qualité de vie au travail et la santé des professionnels, l'idée c'était que bien sûr, des soins de qualité ne peuvent être délivrés que par des professionnels en bonne santé physique et mentale. La problématique sur laquelle on a buté, c'est qu'on n'avait pas d'état des lieux des professionnels kinésithérapeutes. Il y avait quelques enquêtes qui étaient sur d'autres professions, mais concernant les kinésithérapeutes, on avait peu de choses. Donc, en 2019 a été consacrée à l'élaboration d'un état des lieux qui s'est fait grâce à une équipe de la région Bourgogne-Franche-Comté qui, sous l'impulsion du professeur Didier Truchot, a mené une enquête nationale ciblée sur l'ensemble des professionnels kinésithérapeutes, tant salariés que libéraux, sur l'ensemble du territoire. C'est une enquête qui a mobilisé effectivement plus de 9000 professionnels, donc c'est une enquête très pertinente au niveau des résultats. Et ce qui est apparu, c'est qu'effectivement, il apparaissait des stresseurs spécifiques concernant les kinésithérapeutes. Alors, soyons clairs, il y a effectivement des stresseurs communs à toutes les professions de santé, mais lorsqu'on fait un zoom sur les kinésithérapeutes, ce qui était l'objet de cette enquête, on a bien identifié des stresseurs spécifiques. Alors, on ne va pas là rentrer dans le détail, ce n'est pas l'objet. L'objet, c'est effectivement de s'adresser aux étudiants, mais on comprend bien que au travers de la démarche, eh bien, on débouche très vite sur des notions de prévention. Pardon Michel, cette enquête est en ligne sur notre site, vous pouvez la retrouver très facilement sur le site internet de l'Ordre. Vous avez cette enquête spécifique que nous avons faite pour les kinésithérapeutes libéraux et aussi pour les kinésithérapeutes salariés. C'est une enquête scientifique. Comme disait Michel, un grand nombre de répondants permet d'avoir des résultats significatifs et qui sont extrêmement intéressants. Je vous engage à le regarder. Je t'en prie, laisse continuer. Oui, effectivement. Alors, effectivement, c'est une enquête remarquable puisque les recherches qu'avait menées l'équipe de Didier Truchot, il est apparu que c'est une première au niveau national et international concernant la santé des kinésithérapeutes. Alors, sans entrer dans le détail, des stresseurs spécifiques. Alors, il y en a des qu'on peut quand même souligner, des problèmes de relationnels entre les prescripteurs, les autres professions de santé et les patients, des problèmes de charge de travail, et puis des problèmes de... Alors ça s'adresse plus spécifiquement à tout ce qui est la population des kinésithérapeutes salariés, de hiérarchie, de reconnaissance au sein des structures. Bref, globalement, des professionnels qui sont source de mal, qui vivent du mal-être, qui se trouvent parfois en burn-out et que nous, en tant que Conseil national, on peut recueillir au travers des demandes d'entraide, car c'est effectivement un point significatif lorsque la commission d'entraide prend en charge un dossier, elle prend la mesure de ce que recouvre la problématique du professionnel et on voit bien que maintenant il y a une professionnalisation de l'entraide qui apparaît de plus en plus forte afin d'identifier toutes les difficultés que les professionnels vivent. Et puis, il y a aussi notre numéro d'appel qui a été, sur cette mandature également,
mis en œuvre et qui maintenant est parfaitement rodé aux écoutes des professionnels en difficulté. Donc ces éléments-là contribuent effectivement à identifier la problématique des professionnels en activité. Alors, dans les conclusions, Didier Truchot nous avait alerté quand il a fait le retour au niveau du Conseil, nous a dit, voilà, problématique de communication, problématique d'anticipation et surtout problématique de prévention. Et lorsqu'on rentre dans le domaine de la prévention, on a consacré l'année 2020 à élaborer un schéma de prévention qui puisse en fait, et c'était l'idée qui prédominait, qui puisse impliquer toutes les entités ordinales, chaque entité dans le cadre de ses missions. Alors pour faire court, oui. OCDO, les actions de proximité. Conseil départemental. Oui, au conseil départemental. La mission de mener à bien des actions de proximité de terrain avec les professionnels sur le terrain. Au CRO, la mission de coordination qui est toujours leur mission, une des missions fondamentales des CRO. De conseil régional, hein, puisqu'on a 100 conseils départementaux au plus près de tout le monde et 13 conseils régionaux qui coordonnent justement les missions des conseils départementaux. Tout à fait. Et au sein des CRO, ce qu'on va essayer d'impulser, c'est aussi une mission d'évaluation des actions menées sur le terrain. Et puis, au niveau national, eh ben, c'est d'observer tout ce qui se passe sur le terrain en termes d'action de prévention. Et donc, c'est la notion d'un observatoire de la qualité de vie et de l'évolution de la qualité de vie au travail des professionnels. Alors, merci Michel. Je t'interromps parce que pour revenir sur les étudiants, j'ai bien noté effectivement sur les indicateurs qu'il y avait aussi un problème de, comme tu l'as dit, hein, il y a un problème de communication, de manque de communication où le professionnel se sent isolé. Est-ce qu'on peut retrouver ce genre d'indicateur chez les étudiants, Adam ? L'isolement. J'en parlerai tout à l'heure. J'aurai une diapo en effet qui met en avant l'isolement. Et encore une fois, actuellement, nos étudiants peuvent être logés dans des 9 mètres carrés. 9 mètres carrés, ça fait 3 pas et 3 pas, ça fait à peu près alors, ce qu'est une chambre crousse. J'ai pas entendu. C'est l'isolement qui est dû à la crise, mais ce dont parlait Michel, je pense que c'est l'isolement du professionnel de santé qui, bien qu'il prend en charge un certain nombre de patients tous les jours et bien qu'il soit en contact avec des prescripteurs, se sent pour autant, peut se sentir pour autant isolé. Et c'est ça, effectivement, qui le coupe et qui est un risque de souffrance au travail et de burn-out. Est-ce que cet isolement plus psychologique, on peut le dépister chez les étudiants ? Mais moi, je ou pense c'est pas purement physique ? Si, je ne pense pas que c'est dû à la crise seulement. Il y a vraiment, depuis quelques années, des étudiants qui vivent dans un 9 mètres carrés, qui, de par l'exigence de nos études, doivent travailler dans cette chambre étudiante. Et du coup, sont isolés. Précarité étudiante, on ne peut pas forcément sortir. Et si on sort, ce n'est pas en vacances, c'est près de chez soi. Du coup, on n'a potentiellement pas assez d'argent pour se créer un réseau, se créer des amis. Si, je pense que... Aller boire un verre, aller au cinéma, ça coûte cher, évidemment. Je pense que cet isolement existe et que ce n'est pas que depuis la crise. C'est une réalité depuis quelques années. Et vous verrez les chiffres. Hein. Réellement, vous verrez les chiffres tout à l'heure quand je le présenterai. Quand je les présenterai. D'accord. Oui, il y a l'étude des étudiants qui sera présentée, hein, je le dis pour tous ceux qui nous écoutent. Et on sait aussi qu'un certain nombre d'étudiants ont recours à un statut particulier, qui est le statut de l'apprentissage. Est-ce que vous avez pu mettre en évidence une amélioration de la qualité de vie quand on est apprenti ou le contraire ? On n'a pas d'études. Ou est-ce que vous n'avez pas étudié cette situation ? On n'a pas encore d'études à ce niveau-là. Vu que c'est quand même quelque chose d'assez récent, je crois que l'apprentissage est autorisé que depuis un ou deux ans. Oui. Donc, on n'a pas encore d'études à ce niveau-là. D'accord, je vais laisser Michel Arnal finir. Oui, je trouve que Monsieur le secrétaire général souligne bien la notion d'isolement, en fait. C'est ça qui est important. Et c'est toute la philosophie, en fait, de la notion de prévention. C'est supprimer, tant que faire se peut, l'isolement des professionnels, l'isolement des étudiants. Ce n'est pas évident. Et c'est ce fil conducteur qui doit nous amener à
imaginer d'apporter, de souligner une culture d'entraide, car c'est là la problématique. Je vais, pour répondre à ce que disait Jean-François, et souligner le travail qu'on a initialisé, puisque nous, on a bâti une politique de prévention, et bien sûr, dans la prévention, il y a la prévention primaire, et la prévention primaire, bah, au tout début, c'est quand même ce que vivent les étudiants. Alors, sur le dossier de presse que Adam auquel il a fait allusion au tout début de sa présentation, moi, j'ai retenu une citation qui a été faite par une jeune étudiante, Camille, qui a 25 ans. Et ça, c'était en 2019, avant la période Covid. Alors, je vous la lis. « J'ai été diagnostiqué dépressif durant mon année scolaire car la pression exercée par la formation était trop importante. Associée aux soucis financiers, ma santé mentale puis physique se sont dégradées. J'ai voulu en faire part à la référente pédagogique afin qu'elle prenne conscience que ça pouvait être dur et elle ne m'a pas soutenu, elle a même ignoré mon appel. » C'est tout à fait ce que vient d'évoquer Jean-François, c'est l'isolement. C'est-à-dire quelqu'un qui ne va pas bien et qui se sent isolé et que aucune main ou aucune main tendue, aucun pas vers elle l'amène, est mené. Et donc, en fait, tout l'objet du travail qu'on a tenté de bâtir ensemble consiste à éviter cet isolement. C'est pourquoi on a besoin de beaucoup de volontaires, parce que plus on sera nombreux, plus on sera à l'écoute. Alors, je voudrais quand même modérer les propos, parce que ce sont les propos d'une étudiante, bien sûr, et de son ressenti. Mais je pense quand même, pour travailler avec Pascal Gouilly, moi-même, pour intervenir dans des IFMK, pour avoir chez nous des directeurs d'IFMK au Conseil national, oui. Je sais qu'il y a quand même des instituts qui accompagnent vraiment les étudiants, qui sont à leur côté, qui les soutiennent. Et donc... parfois, ce n'est pas le bon moment, c'est-à-dire qu'on fait part à une responsable pédagogique et on a l'impression de ne pas avoir le retour qu'il faut. On sait très bien aussi que ça peut dépendre de sa propre situation et ce n'est pas parce qu'on n'a pas la réponse qu'on attend qu'il n'y a pas eu une réponse. Donc, tout à l'heure, Pascal Gouilly pourra s'exprimer là-dessus, mais je ne voudrais pas qu'on laisse l'impression, qu'on donne l'impression qu'il y a les pauvres gentils étudiants et les méchants IFMK. Ce n'était pas ce que je voulais dire. Non, Pascal. Je sais bien que ce n'est pas du tout ce que tu disais, mais quand même, je préfère prévenir et saluer le travail remarquable qui est fait dans de nombreux instituts de formation en kinésithérapie. Alors, peut-être pas partout, et c'est toujours améliorable. Mais en tout cas, je sais qu'ils se sont emparés de la question, Adam. Oui, je pense qu'en effet, certains IFMK se sont emparés de la question. Maintenant, mais peut-être laisser la parole à Pascal Gouilly. Et voilà. Oui. Juste Pascal Gouilly. Oui. 5 secondes. Dans le dossier de presse, vous avez cité Camille, mais les noms ont été anonymisés. Son vrai nom, Camille. Voilà, c'est juste pour rassurer les personnes qui ont peut-être répondu à ce questionnaire et qui sont allées à l'écran. On va pas aller chercher Camille dans son IFMK pour caler. Et enfin dire que, en effet, dans les IFMK, il y a deux extrêmes. Il y a des IFMK qui s'en sortent très bien, mais il y a des IFMK où des personnes qui, dans certains IFMK, se sentent très mal et ne sont pas accompagnées. C'est vraiment le but de notre démarche. C'est sensibiliser chaque IFMK à cette question. L'esprit, c'est ça. L'esprit, c'est de dire que, bien sûr qu'il y a des choses qui existent, bien sûr qu'il y a des choses qui sont faites. L'idée, c'est de sensibiliser l'ensemble, les étudiants, les équipes pédagogiques et tout le monde, à ce qu'on soit à l'écoute les uns des autres. Pascal, alors ? Jean-François Dumas, tu avais donné la parole. Pascal Gouilly, directeur du FMK, président du SNIFMK, on aimerait bien avoir effectivement un retour des enseignants et des directeurs sur ce sujet extrêmement inquiétant pour nous. Tout à fait, mais à juste titre. Alors merci déjà de me passer la parole. Merci à Pascal qui a bien synthétisé notre vécu, sachant qu'on ne sera jamais aussi assez bon pour justement prévenir ces problèmes psychosociaux. D'autant que le profil des étudiants, des 2800 étudiants qui arrivent en deuxième année de kiné ou première année selon... ce sont des étudiants qui sont extrêmement bons, ils ont un savoir bien au-dessus de la normale, ils sortent de ce qui s'appelait jadis un
le PACES, qui s'appelle maintenant le PAS ou l'ALAS, mais dont la problématique est la même, c'est-à-dire qu'il y a globalement une centaine de places pour 500 candidats. Et pour y arriver, c'est une année, voire deux années, extrêmement complexes, dans lesquelles la notion de sélection est un vrai problématique. Il y a un arrêt de la vie sociale, puisque c'est une recommandation, c'est difficile de faire autre chose. Tout tourne autour de ces études. Arrêt donc de rencontrer des copains, arrêt de faire son lobbying, modification des repères, y compris avec la famille, etc. Et sachant que beaucoup d'enseignants sont également des parents potentiels, et ça c'est important parce que ce sont des choses que l'on vit au quotidien. Alors ce qui veut dire que le problème psychosocial, on en est conscient depuis des années et des années, lorsque les étudiants arrivent dans nos instituts de formation de masso-kinésithérapie, et il est clair que la pandémie n'a fait que renforcer. Mais j'ai envie de dire que le virus de base, c'est déjà cette notion de sélection, et il va falloir essayer d'induire à l'étudiant toute une série d'éléments, comme par exemple son voisin qu'il fallait avant abattre, au sens figuré bien évidemment, pour passer devant lui et rentrer dans l'institut de formation. Et ben là, les choses changent. Il va falloir travailler avec lui pour acquérir un métier et être un bon kinésithérapeute avec une qualité de vie tout à fait intéressante. Ok, alors la notion de coût est une réalité. Il est hétérogène, mais alors je représente accessoirement la région Grand Est. Nous sommes la seule qui est financée de manière quasiment intégrale par le Conseil régional Grand Est. Deux instituts publics, un institut privé. Et il faut savoir que, je vais vous donner un chiffre qui va vous faire mal, mais en 2020, par exemple, nous avons, la région a donné l'équivalence à 600 étudiants, alors que nous n'avons formé que 200 étudiants. Et ces 200 étudiants ont été formés à moins de 800 euros, je le disais tout à l'heure, alors que les structures qui les ont formés en Allemagne, au Luxembourg, en Belgique, en Espagne, sont payantes et peuvent aller à 5-6 000 euros. Ce qui veut dire que la notion de coût, c'est bien évidemment la partie scolaire, mais c'est aussi l'environnement, vous l'avez dit, se nourrir, dormir, etc., c'est quelque chose de l'ordre de 11 000 euros avec une problématique qui a été renforcée par la pandémie parce que les métiers qui permettaient aux jeunes d'arriver à vivre mieux n'existent plus et donc faut assumer le quotidien. Adam, c'est un vieux schnock qui te cause, cette problématique existe depuis la nuit des temps, de mon temps, lorsque j'étais en première année de kiné. J'avais des collègues qui bossaient la nuit, qui bossaient le week-end, parce qu'il fallait financer le quotidien. Mais il est une réalité que les choses se sont incontestablement majorées. Voilà, alors, nous avons structures... C'était juste pour répondre à ce que disait D'accord. Michel, mais Michel n'a pas terminé, je pense, sa présentation. Et on va reprendre le déroulé de notre conférence, peut-être, Jean-François. On t'entend donc, Michel, plus, tu continues. En ce qui concerne, voilà, on a fait notre schéma de prévention concernant les kinésithérapeutes en activité. Et en fait, c'est de l'échange avec la FNEC qu'est venue l'idée de travailler en prévention sur au sein des IFMK avec les étudiants. Alors, soyons bien clairs, il ne s'agit pas de poser des statuts, une nouvelle organisation, etc. On part sur l'idée d'un volontariat et sur l'idée d'un bénévolat, c'est-à-dire développer la culture d'accompagnement de professionnels en difficulté. Plus on est nombreux à prendre en charge et à être à l'éveil, plus on va développer cette culture prévention. Et moi, je serais très heureux que les professionnels, une fois passer tous leurs concours, leurs examens, que ces professionnels en activité soient justement sensibilisés à cette notion de prévention, puissent développer cette même approche en termes de l'interprofessionnalité, parce que le kinésithérapeute a quand même un profil un peu particulier. Il est à la fois, je dirais, un professionnel qui touche au corps et qui apporte
des outils corporels de type massage, etc., mais aussi quelqu'un qui est sensible à tous les messages émis par le corps et donc une personne qui n'est pas, je dirais, en pleine possession de toutes ses compétences professionnelles, eh bien, corporellement, ça peut se traduire et le kinésithérapeute pourra éventuellement être un des premiers, entre guillemets, détecteurs de professionnels en difficulté. C'est l'idée générale qui nous amène à développer cette notion de culture et nous aurons l'occasion effectivement de redébattre dessus le projet élaboré. Merci beaucoup, Michel. Je crois que le professeur Galam nous a rejoint. Est-ce que vous nous entendez, professeur ? Oui, oui, je vous entends. Je suis là. Excusez-moi, mais je suis tout de suite. J'ai beaucoup aimé entendre ce Bienvenue. Que j'ai entendu. Je regrette de ne pas avoir été la plus... Pardonnez-moi. Non, mais c'est pas grave. Comme vous n'avez pas été des nôtres dès le départ, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement ? J'ai parlé effectivement de votre DU. J'ai parlé effectivement de ce sujet qui n'existait pas quand moi j'ai fait mes études et qui désormais est extrêmement prégnant dans l'exercice des différentes professions de santé. Soigner les soignants. Comment soigner effectivement les gens qui sont malades de soigner les autres ? Est-ce que vous pouvez nous présenter tout cela, s'il vous plaît ? Ce qui est tout à fait novateur et tellement évident, c'est que finalement, on prend compte du soignant. Alors qu'avant, le soignant était censé être là juste pour l'autre, ce qui est toujours le cas, bien entendu, mais on a compris que pour être là pour l'autre, il faut aussi que je sois un peu là pour moi et que comme j'ai un métier d'humanité où mon identité est importante, je ne suis pas une simple machine aussi performante soit-elle, et ben on a intérêt à ce que mon humanité soit bien positionnée par rapport à mon patient et à moi. Ça, c'est la première chose qu'il faut souligner. La deuxième chose, c'est la notion de soigner les soignants, c'est un joli titre, mais en fait, c'est prendre soin des soignants et prendre soin de soi-même. Et ça commence par être respectueux vis-à-vis du soignant qui nous soigne et vis-à-vis de nous-mêmes et de ce à quoi on a droit en tant que soignant. C'est pas une question ni de notabilité ni quoi que ce soit, mais on a quand même un métier qui est délicat. Et donc, si on a un métier délicat, il faut des outils délicats et un outil délicat, on en prend soin. Et je dirais deux autres mots pour cette présentation rapide. D'une part, la notion de culture et sur laquelle on est en train de travailler, qui s'associe avec tout ce qu'on est en train de faire sur le plan concret. Et le concret va avec la culture et réciproquement. Et dernier point, l'importance des étudiants qui sont d'une part le demain, mais aussi qui disent qui nous sommes. Et donc c'est extrêmement important d'avoir des étudiants qui soient bien positionnés dans leur métier et qui soient en bonne santé. Et aussi pour nous-mêmes, les vieux, si on a des étudiants en bonne santé, c'est un bon signe pour nous et eux, ils vont nous apporter des éléments de progrès. Voilà, excusez-moi pour cette présentation un tout petit peu longue et tout à l'heure, je ferai ma présentation telle qu'elle était prévue. Mais moi, je suis très heureux d'être là parmi vous et je constate avec plaisir, c'est Michel Arnal qui m'avait invité, mais je le savais, mais je constate à quel point votre profession est dynamique et porteuse de beaucoup d'espoir. Et ça, ça me fait penser, vous savez, j'ai beaucoup travaillé sur l'erreur médicale. Et sur l'erreur médicale, la sécurité des patients, les anesthésistes ont été très novateurs puisqu'ils ont beaucoup travaillé. Et puis, bien sûr, les pilotes d'avion, mais les anesthésistes. Et j'ai l'impression que pour les soins aux soignants, les kinés auront aussi cette fonction d'être novateur et de construire quelque chose qui servira à tous. Voilà, merci. Est-ce que je peux vous poser une question ? Est-ce que vous avez un élément essentiel qui pourrait primer sur tous les autres vis-à-vis de la situation des étudiants par rapport à celle, bien évidemment, des professionnels que vous connaissez parfaitement bien ? Ben, les étudiants aussi, je connais parfaitement bien puisque je suis prof à la fac et là, je n'étais pas appelé pour... Excusez-moi, non, mais je parlais du burn-out. Une autre question sur la spécificité des étudiants, c'est ce que vous dites ? Oui, oui, vis-à-vis de leur souffrance. Eh ben, on est dans un monde qui change et en plus, déjà, il changeait globalement avec beaucoup d'éléments et il change encore plus avec le Covid qui a bouleversé beaucoup de choses et puis l'avenir qui est incertain avec des règles du jeu qui sont en train de se repositionner, etc. Alors, les étudiants sont en difficulté comme tout le monde, mais en plus, comme ils sont déjà en incertitude,
ça aggrave un peu la situation de à quel repère on va se positionner. Et il me semble qu'il y a deux types de repères qu'il faut repérer, qu'il faut mettre en exergue. C'est d'une part ces choses solides, des choses concrètes, notamment comment je gagne ma vie, qu'est-ce que je vais faire de ma profession, etc. Et deuxièmement, l'espoir, la confiance et l'adhésion à la pertinence du métier que j'ai choisi. Et donc, retrouver, et on le sait tous déjà, le plaisir et l'importance du fait de prendre soin des autres. Et donc, c'est une façon de se développer. Donc, les étudiants sont à la fois plus fragiles que les vieux et plus porteurs d'espoir. C'est logique, hein, mais c'est bien de le répéter, quoi. Donc, ils vont pas Merci bien, beaucoup. mais on, voilà. Merci, merci. On va redonner peut-être la parole à Pascal Gouilly, que j'ai interrompu. Je crois que, pardon Je Jean-François, mais sais je pense que pas. c'est La Adam qui présidente. doit, oui, c'est Adam qui doit faire sa présentation sur Oui, d'accord. une enquête qui a été faite relative justement au mal-être des étudiants. Et je voulais juste te dire, hier soir sur Twitter, tu disais que c'était très institutionnel et c'est vrai. J'ai vu un étudiant qui disait, il était en quatrième année. Et il se demandait s'il allait continuer, s'il n'allait pas abandonner parce que les stages ne se passaient pas bien, parce qu'il avait du mal à trouver des stages. Donc, c'est ce que vous disiez, professeur, hein. On voit bien que la situation particulière générée par la pandémie fait que, alors que ça pourrait se dérouler très bien, on arrive même à avoir des personnes qui pensent à abandonner, alors que dans notre profession, on a un taux d'abandon très faible, je sais, sur les études. Adam, je te laisse la parole. Et je crois qu'on est en retard, bien sûr, donc il va peut-être falloir accélérer sur ton diaporama, pardon. Du coup, voilà, sur le diaporama, vous avez le dossier de presse sur le bien-être des étudiants en masso-kinésithérapie qui est sorti en mai 2019, donc avant la crise. Et vous verrez, les chiffres sont déjà alarmants. On a ensuite, un an plus tard, sorti le dossier sur la condition de vie des étudiants en masso-kinésithérapie qui venait compléter, en fait, ce premier dossier de presse. Ce dossier de presse, c'est 3851 réponses. Ça représente 33% des étudiants kinés. Autant dire que C'est énorme. c'est énorme, surtout pour un questionnaire qui fait plus de 100 questions. Ce qui montre vraiment l'envie des étudiants de se faire entendre leur voix sur la question. Et il y a eu des réponses dans l'ensemble des IFMK, avec un petit bémol au niveau de l'IFMK pour les déficients visuels à Lyon, parce que bah, il y avait aussi cette difficulté d'adaptation. Ok, donc on va passer à quelques chiffres ici. La précarité, pour vous expliquer ce dossier de presse, il est fait deux chiffres, deux phrases comme celle-ci qui sont en fait des recueils d'expériences et aussi de propositions. Il y en a 15 dans ce dossier. Donc là, le principal problème est le coût de la formation qui nous donne l'impression d'avoir une épée Damoclès au-dessus de la tête. Selon le second questionnaire, comme je vous l'ai dit, c'est 30,9% des étudiants kinés qui ont un prêt, contrairement au chiffre national, selon l'Observatoire de la vie étudiante, c'est 4% des étudiants français qui ont un prêt. Alors, il y a un petit biais ici, hein, c'est que le chiffre 4% date de 2013, mais la différence est quand même flagrante. Il y a une vraie précarité qui s'installe. Et ici, on voit que la part des étudiants ayant un prêt est corrélée à l'augmentation des frais de scolarité au sein des instituts, ce qui montre que bah, cette problématique du coût de la formation est vraiment très importante pour les étudiants kinés. 12% des étudiants kinés déclarent sauter des repas pour raisons financières. Avant la crise. Avant la crise, encore une fois. 12%. Plus d'un étudiant sur 10. Dans ces 12%, c'est 40% de ceux-ci qui sautent un repas par jour. J'ai mis ici le logo des Agorae, comme je vous en ai parlé tout à l'heure. C'est des épiceries solidaires. Actuellement, le nombre de demandes dans ces agorae ou dans les distributions de repas, distributions gratuites de repas, le nombre de demandes augmente. Vous pouvez voir d'ailleurs des vidéos sur les réseaux sociaux d'une file d'attente qui J'ai vu, oui. dépasse l'entendable. Et même devant le Crous à 1 euro, qui est une réforme vraiment à saluer, mais
Enfin, la précarité étudiante empêche même les étudiants de manger, et ça, c'est vraiment alarmant. C'est inacceptable, même. Oui. Mais même s'il y a beaucoup est fait, hein, tu le dis, mais malgré cela, ce n'est pas suffisant. Alors, on avance. Le volet santé mentale, c'est un étudiant sur cinq qui qualifie sa santé mentale de mauvaise à très mauvaise. C'est 31% qui disent que leur santé mentale s'est dégradée depuis le début de leurs études. C'est 37% des étudiants qui estiment être souvent ou tout le temps en situation d'épuisement psychologique. C'est 61% des étudiants qui ont des symptômes dépressifs. Et c'est un étudiant sur quatre, qui présente des troubles de l'anxiété généralisée selon questionnaires qui sont connus. Standardisés. Grade 2, oui. Ça s'appelle ce questionnaire. Voilà, on l'a fait passer lors de cette étude. Et ça montre un étudiant sur quatre qui présente des troubles de l'anxiété généralisée. Et en bas, en rouge, vous pouvez voir quelque chose de très alarmant aussi. 17 étudiants qui pensent presque tous les jours à porter atteinte à leur vie ou se faire du mal d'une façon ou d'une autre. Voilà. Je vous laisse interpréter ce chiffre. Au sein de la formation, et Pascal Gouy pourra peut-être réagir, déjà, un petit retour d'expérience. J'ai toujours voulu faire kiné, c'est ce que j'aime, mais la manière dont se déroule la formation, la sensation d'être sans cesse blâmé et rabaissé est insupportable. C'est seuls 8% des étudiants qui ne sont pas stressés pendant les cours. 18% des étudiants ont déjà pensé à arrêter leur formation. 40% d'entre eux à cause de problèmes à l'IFMK. Encore une fois, ça c'est avant la crise du Covid. C'est près de la moitié des étudiants qui ne se sentent pas soutenus par l'équipe pédagogique et l'administration dans leur IFMK. D'où l'importance de notre projet, Michel. Et hier, c'était la journée des droits des femmes. Donc si on fait une petite aparté sur elle. 17% des femmes se sentent discriminées par leur sexe lors des cours. Ici, on voit bien qu'il y a une problématique au sein des études qui est quand même généralisée, hein, mine de rien, parce que c'est sur plus de 3000 réponses et 100% des IFMK. Il y a une problématique de ressenti des étudiants au sein de leurs études. Nous, on l'explique par quelque chose au niveau de la FNEC. C'est le terme pédagogie. La pédagogie, c'est un terme qu'on utilise souvent, mais en soi, ça veut dire l'enseignement aux enfants. Actuellement, nous, on aime plutôt le thème andragogie, l'enseignement aux adultes. C'est la différence, elle est simple. On aimerait éviter cet enseignement qui est didactique, c'est-à-dire un enseignant et informé, donc avec vraiment ce principe de descendance, et avoir plutôt un partage, avoir un formateur qui est là pour nous apprendre des choses et partager son expérience et potentiellement se servir aussi des connaissances de l'étudiant et des besoins de l'étudiant pour avancer dans sa formation. C'est vraiment ça qu'on demande actuellement à la FNEC aux formateurs et potentiellement, on vous en parlera, c'est aussi ce qu'on va mettre en place lors de notre journée, des moments d'échange comme ça, entre formateurs et étudiants, qui va permettre d'améliorer cela, on l'espère. En stage, le statut de stagiaire est parfois dur à porter. Nous subissons une distinction qui fait que je me suis déjà retrouvé dans des situations où je ne savais pas comment me comporter, que ce soit avec les patients ou les autres kinés. Mais ce sont des périodes le plus souvent très formatrices et c'est agréable de pratiquer. On voit ici cette dissonance entre la situation de stagiaire et le plaisir quand même d'aller exercer son futur métier au sein d'une institution ou d'un cabinet. Pour revenir sur quelques chiffres, ici on voit grâce à ce graphique que le cause de stress lors des stages est majoritairement présent à cause du manque de connaissances. Et encore une fois, je vais le répéter, mais ça c'était avant la crise de la Covid. Actuellement, il y a des étudiants qui n'ont pas vu de patients, ou par exemple de patients en musculosquelettique. Ils ne l'ont pas vu peut-être depuis un an. Et l'année prochaine, ils vont devenir DE. Il y a des patients, il y a des CM, donc cours magistraux, qui n'arrivent pas à être suivis parce qu'il y a un décrochage scolaire. Il y a des TP qui sont peut-être moins bien faits ou
avec des gestes barrières qui empêchent de faire certaines choses. Voilà. Donc, ces chiffres-là sont encore en augmentation. C'est 12% des étudiants qui ont subi une attitude déplacée de la part de leur tuteur de stage. Ça, c'est aussi quelque chose à mettre en avant. Alors, les attitudes déplacées, ce n'est pas forcément que des choses, comme on l'imagine, qui peuvent toucher au corps, comme des violences sexistes et sexuelles, mais ça peut être, encore une fois, tout simplement des remarques descendantes envers un stagiaire. 34% des hommes se sont sentis harcelés par leur supérieur en stage, 23% des femmes par des patients. Il faut qu'on 7% avance. des hommes se sentent discriminés par leur sexe, contre 46% des femmes dans les stages. C'est plus d'un quart d'entre eux qui n'ont pas trouvé de ressources pour se sentir mieux. De toute façon, on trouve cette étude, je crois, sur votre site, sur le nôtre aussi, je pense. Donc alors, avançons sur les propositions. Alors les propositions, c'est celle, je vais vous montrer simplement celle-ci. C'est la proposition en fait qui a permis à Michel Hanan de nous contacter pour nous proposer un projet. Donc la FNED demande à ce qu'une personne référente par institut soit disponible et formée à la détection de troubles de la santé mentale chez les étudiants ainsi qu'à l'accompagnement de ces derniers. Donc actuellement, on peut passer à la prochaine diapositive, on a pensé à ce projet d'acteur relais. Donc on ne peut pas aider tout le monde, mais chacun peut aider quelqu'un. L'objectif, ça va être réellement d'avoir un étudiant acteur relais et un membre de l'équipe pédagogique qui est acteur relais par IFMK. Alors, c'est un objectif qui peut sembler utopique, mais l'idée vraiment, c'est d'avoir une base dans chaque IFMK, dans 1, 2, 3 ans, et que cette sensibilisation à la santé mentale puisse évoluer. Et du coup, merci infiniment. Juste... Oui, il y a des questions? Vas-y, vas-y. C'est... Pas pour le moment, pas spécifiquement sur cette question. Hein. Parfait. Du coup, as fini ta présentation? Je vais juste présenter le projet là actuellement, une première partie. Donc le projet en 5 mots. Je vois pas. On voit pas. Positive. Alors le projet en 5 mots, bon. Il y a la sensibilisation. Sensibilisation, c'est ce qu'on est en train de faire avec vous aujourd'hui. Hein. Mais c'est ce qui est aussi l'objectif de l'événement qu'on fera le 20 mai. Donc sensibiliser sur les risques psychosociaux, être touché par cette question et ça permet par la suite de mieux le comprendre. Mmh. Ensuite, la détection. Pourquoi le terme détection? Parce que un acteur relais ne va pas être un psychiatre. Il ne sera pas là pour accompagner la personne tout au long de son traitement au niveau de la santé mentale. L'idée vraiment, c'est d'apprendre à détecter les risques psychosociaux chez des personnes en détresse et de pouvoir les accompagner, les aider par la suite. Quand je dis les accompagner, c'est les orienter. Les diriger vers une personne ressource, une personne qui est là, enfin, dont c'est son métier ou des instances qui se chargent de ça. L'écoute, c'est quelque chose qu'on va apprendre. Je pense qu'on pourra en parler un peu plus tout à l'heure. Voilà. Ouais. Donc vraiment, il y a un travail d'écoute à faire avec cette personne. Mais l'écoute, ce n'est pas qu'avec la personne qui souffre. C'est l'écoute aussi entre les étudiants et l'équipe pédagogique. Et même la personne de l'équipe pédagogique formée avec le reste de l'équipe pédagogique. Et c'est là où le terme échange va arriver. Des échanges, il faut qu'il y en ait sur ces questions-là pour que les étudiants soient bien encadrés. Ça va être un principe d'échange du coup entre étudiants, un principe d'échange entre étudiants et formateurs, un principe d'échange entre formateurs et l'équipe pédagogique. Et ça, c'est ce qu'on va essayer de mettre en place lors de notre événement avec temps de réflexion, des groupes de travaux, des groupes de travail, travaux, je ne sais plus. De travail. De travail, merci. Avec des groupes de travail et des échanges qui vont confronter potentiellement deux points de vue, celui du formateur et celui de l'étudiant. Et enfin, le terme pérennité. Comme je le dis, il y a un objectif final que dans chaque IFMK est lié... Il y a un nombre d'acteurs relais présents. C'est pour ça qu'on va encourager plutôt des étudiants qui sont en K2 ou en K2 ou en K3, voire K4, si on se base sur 5 ans, hein, K5 étant la dernière année, des personnes qui restent du coup un peu plus au sein de l'Institut pour être présentées comme acteurs relais
au sein de son institut sur de longues années. Et il y aura aussi des choses mises en place par la FNEC et potentiellement avec le CNOM pour créer un groupe. Vous n'êtes pas tout seul, une journée de formation, ça ne va pas être suffisant qu'on se le dise. Donc on sera là pour vous accompagner, pour que vous puissiez échanger entre vous, on revient sur le terme échange, et que ce rôle-là, vous puissiez l'incarner sur plusieurs années dans votre IFMK. Alors, outre pérennité, merci. Moi, je mettrais le terme transmission. Voilà, parce qu'il ne s'agit pas de former un étudiant qui restera 2, 3, 4 ans en fonction de son année d'études, mais qui puisse transmettre à la suite aussi. Donc, la pérennité passera par la transmission, à mon sens. Oui, Jean-François, il faut qu'on avance. Oui. Donc, avant de redonner la parole à Pascal Gouilly pour nous présenter ce que font les IFMK et bien évidemment au professeur Galam qui doit nous faire sa présentation, je voudrais vous faire part de deux réflexions. La première de Sandrine Lebrun qui nous dit que sans compter tous les travaux pratiques qui ont été annulés et les cours également qui ont été reportés, qui n'auront peut-être pas lieu, je pense qu'elle veut dire que c'est source effectivement de stress pour les étudiants. C'est compliqué aussi également pour les étudiants déficients visuels pour les cours à distance. Ah oui, effectivement, ça. On a deux ou trois IFMK qui sont réservés aux déficients visuels. On peut imaginer que pour eux, c'est encore plus difficile. Quatre IFMK déficients visuels. Pour Cécile Lemoteux, elle tient à nous informer de la réflexion suivante. Beaucoup d'étudiants subissent également une certaine auto-exigence psychosociale quant à leurs résultats ou à l'acquisition de leurs compétences. Je note, et Jean-François Couat, qui est un élu de l'Ordre, c'est le président du Conseil régional d'Occitanie, mais c'est aussi l'ancien directeur de l'IFMK de Toulouse, rattaché au CHU, il nous dit qu'il existe de nombreuses structures d'accompagnement psychologique pour les pros de santé, et il demande si les étudiants y ont accès. Adam, est-ce que tu peux répondre à cette question? Après, je passe la parole à Pascal Gouilly. Est-ce que les étudiants ont accès aux cellules, aux structures d'accompagnement psychologique qui sont destinées aux professionnels de santé? Je vous avoue que je ne connais pas forcément ces cellules. Potentiellement, il y a des entreprises qui s'occupent, en effet. Je pense à Espèce, je crois, qui est une entreprise qui va aider les... pour les diplômés déjà. Espèce, on peut y avoir accès aussi, du coup. Vous, les étudiants? Mais parce que c'est une entreprise. Oui. Enfin, d'accord. Je vous avoue que ce n'est pas mon domaine, du coup, les c'est aussi tout l'intérêt, on fera le point au mois de mai, sur l'ensemble des ressources sur lesquelles on peut s'appuyer, les étudiants peuvent s'appuyer. C'est une thématique que nous avons retenu d'aborder pour qu'à la fois les étudiants et les IFMK identifient bien toutes les ressources sur lesquelles peuvent s'appuyer les étudiants. Bien. Bien, Stéphane, Pascal Gouilly, pardon. Est-ce que tu peux reprendre la parole et nous présenter effectivement le rôle des enseignants et des IFMK sur ce sujet? Sans problème. Alors, depuis avril 2018, nous avons des textes qui permettent de structurer un peu plus ce que nous vivions déjà depuis pas mal d'années, à savoir le fait d'avoir une obligation d'un référent pédagogique par étudiant. Vous l'avez signalé tout à l'heure. Et une des finalités de ce référent pédagogique, c'est d'écouter, c'est d'échanger avec chaque étudiant et avec toutes les difficultés. C'était extrêmement intéressant cet échange entre cette personne qui disait qu'elle avait dit qu'elle était en difficulté, elle n'a pas été aidée par la structure. C'est pas toujours évident de trouver la bonne solution. Il y a également des référents de promotion qui sont élus via une élection, donc un processus démocratique par leur pair, c'est-à-dire par les étudiants. C'est un processus qui est extrêmement structuré, qui est suivi par l'ARS. Et peut-être une des pistes d'ailleurs pour le relais, il y a deux titulaires, mais il y a également deux suppléants, sachant qu'il y a ce binôme x4. Okay. Et la mission, entre autres, de ce binôme, tout du moins dans l'IFMK que je représente, c'est en effet d'essayer de faire de la détection.
Et d'ailleurs, on verra que pour optimiser cette détection, nous avons institué, je sais que d'autres IFMK l'ont fait également, et c'est la pandémie qui nous a permis d'optimiser l'affaire, c'est-à-dire que nous avons un responsable par groupe de TP, on a pas mal parlé des TP, pour info, on s'est bagarré contre les tutelles, puisque dans certaines régions, entre autres dans le Grand Est, pendant 2 semaines, nous avons été interdits officiellement de travaux pratiques. Et ça, c'est important. Voilà. Et puis nous avons également la section de vie étudiante qui est présidée par le directeur, mais surtout dont la vice-présidente est l'élu qui a été élu par ses pairs, c'est-à-dire par les huit représentants des étudiants. Dans cette section de vie étudiante siège également un représentant de l'administration, un représentant des techniques et un représentant des enseignants. Et c'est là qu'on envisage toute une série d'éléments. Alors c'est important de parler de tous ces acteurs qui sont actuellement présents parce qu'il est essentiel que l'acteur relais volontaire se place en plus, mais un plus positif par rapport à toutes ces notions et ne se place pas contre ces différentes structures. Ça, c'est quelque chose d'important. Alors, cette notion de dépistage, cette notion de risques psychosociaux, j'ai envie de dire, d'ailleurs, il y a une UE spécifique autour de tout ce qui est risques psychosociaux, qui d'ailleurs, pour info, ne passionne pas forcément les étudiants, puisqu'en général, on n'a pas un taux de présence extraordinaire par rapport à ces enseignements ou ces travaux dirigés. Okay. Et on le sait que la mission des IFMK, c'est faire en sorte que le kiné soit un kiné compétent, c'est-à-dire ait du savoir, et ça en général il l'a puisqu'il arrive dans nos IFMK grâce à leur savoir, mais également du savoir-être, et là on est en plein dans notre problème psychosocial, et puis du savoir-faire. Et le savoir-faire, c'est à l'origine incontestablement d'un stress parce qu'on change complètement les modalités d'évaluation. L'évaluation étant un problème francophone parce que l'évaluation, c'est quelque chose qui devrait faire avancer les gens pour donner des indicateurs. Ça, c'est acquis, ça, c'est pas acquis. On essaye de faire avancer les choses. Mais tout à l'heure, Cécile Lemoteux, via le SMS, disait que les étudiants augmentent naturellement leurs contraintes. Je confirme, ce sont des étudiants qui ont souvent une mention très bien, une mention bien au bac, qui terminent dans les premiers dans le PASS ou le LAS MMOPK, et qui par conséquent n'acceptent pas l'échec. Parce que l'échec veut dire avant leur cursus comme quelque chose d'exclusion. Alors que, et à plus forte raison dans notre filière, puisque la filière rééducation, c'est justement utiliser l'échec, l'erreur, pour faire avancer les choses, pour se repositionner. Et je reconnais que ça génère considérablement du stress. Alors, je peux peut-être répondre à des questions pour aller plus loin. Ce sera, à mon avis, plus positif que de faire un monologue. Mais il n'y a peut-être pas de questions ou des remarques. Jean-François, tu as des questions pour Pascal ? Pour le moment, non. Bon. Pour le moment, non. Bah, écoute, alors, peut-être qu'on y revient. Adam, est-ce que j'ai bien répondu à tes problématiques ? J'ajouterais juste que ce n'est pas une généralité, je pense, ces étudiants quand même qui se mettent une propre pression. Et on ne peut pas expliquer ces chiffres qui sont assez effrayants par simplement l'étudiant se met la pression à lui-même. Il y a en effet une, et c'est pour ça qu'on fait cet événement avec le SNIFMK et le CNOM, il y a en effet une remise en question de l'IFMK qui doit être faite parce que certaines choses ne se passent pas forcément bien. Et Adam, on le sait, on travaille ensemble déjà sur des cas de défense des droits à ce niveau-là. Donc, tout à fait. C'est un biais, on est d'accord, mais ça n'explique pas tous les chiffres. Ah, je n'ai jamais dit que ça expliquait tous les chiffres, loin de là, mais si nous sommes là aujourd'hui, et je peux dire que le « nous » prend toute sa valeur, parce que j'ai plein de SMS de collègues qui sont branchés en direct, et c'est très bien, c'est que c'est vraiment quelque chose qui nous travaille. Mais tu ne peux pas savoir, je parlais de cela parce que c'est un élément qui est beaucoup plus important qu'on l'imagine, le nombre d'étudiants à qui on dit « mais on se détend, il n'y a rien de dramatique, on est là dans un cursus d'apprentissage qui dure longtemps, on est bien d'accord, qui n'est pas facile à acquérir, mais clairement, c'est, qu'est-ce que vous voulez, c'est comme cela. Voilà. Bien.
Mais c'est évident que la pandémie a majoré considérablement les problématiques d'isolement, les problématiques de vie sociale. Tu parlais tout à l'heure, Pascal, de ne pas aller au cinéma. Bah, c'est majoré par deux parce qu'on n'a pas l'argent pour. Et de toute manière, il n'y a pas de cinéma, il n'y a pas de théâtre. On ne peut pas aller boire un verre. On a derrière les gens qui disent surtout, vous ne réunissez pas à plus de 6, puis vous mettez un masque, etc. Ce n'est pas tellement en phase avec la vie d'un étudiant. Et ça, on est conscient de cette affaire-là. Et on essaye au quotidien de corriger les choses, de détecter avec tous les problèmes de détection, parce que ceux qui sont le plus dans le problème de mal-être, c'est très difficile à le mettre en évidence et arriver à détecter, sachant que souvent, il y a des étudiants qui disent « je suis dans la merde » parce qu'on a des relais qui ne sont pas forcément des relais kinés, parce que l'IFMK, c'est un tout, c'est l'administratif, par exemple. Nous avons à Nancy des secrétaires qui sont extrêmement vigilantes sur ce sujet, mais les étudiants disent « n'en parlez pas, je ne veux pas que ça se sache ». Et tu le disais tout à l'heure, dire qu'on n'a pas de quoi manger, etc. Il y a 15 ans, on a découvert par hasard qu'une étudiante dormait dans sa voiture. Donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau. C'est dramatique. Il faut faire avancer les choses. Ça, c'est d'une évidence. Et on le fera ensemble. C'est aussi une autre évidence. Mais on en est conscient. Hein. D'ailleurs, on a beaucoup échangé ensemble et c'est la raison de ta présence, pas en tant que directeur de l'IFMK de Nancy uniquement, mais aussi en tant que président du SNIFMK. Donc, merci en tout cas pour ça. Jean-François, tu redonnes la parole au professeur Galam. Oui, je vais dire pardon. Maître. On travaille tellement des avocats. Non, c'est professeur. Non, mais avant, je voudrais vous faire part de la réflexion que me transmet Cécile Lemoteux. Il y a quand même un tabou autour de cette question parce que elle nous dit, certains ont du mal à demander de l'aide et c'est là qu'il faudrait agir. Est-ce que vous confirmez effectivement qu'il y a un tabou qui fait, et je le comprends, je peux le comprendre, mais c'est un tabou qui touche toute personne tabou qui est dans la précarité. C'est parfois très compliqué d'aller demander de l'aide pour se sortir effectivement de la précarité, pour être identifié finalement précaire. Oui, ah mais voilà. Ça, je confirme tout à fait. Nous avons X problèmes, je pourrais vous faire un catalogue de problèmes multiples et variés qui peuvent relever, par exemple, du décès de parents. Nous avons eu des gens pendant leur formation qui sont devenus orphelins, avec tous les problématiques qu'il y a derrière. Et j'ai souvenir, entre autres, d'un étudiant qui m'avait dit « ne parlez pas de ma situation à qui que ce soit, je ne veux pas que ça se sache ». Et c'est alors, de fait, si on peut aller plus loin dans ce dépistage, c'est tant mieux. Et Adam, sur cette question du tabou, il n'y a rien à rajouter à part dire que ça répond au point de détection des cinq mots que je mettais en avant sur la diapositive précédente, où vraiment un des rôles majeurs de l'acteur relais va être de détecter les personnes qui vont mal et potentiellement leur proposer. Des solutions. Que l'anonymat soit garanti, voilà. C'est une évidence. Merci. En général, là, c'est de tisser le lien. Alors, comme le dit Pascal Gouilly, plus on sera à l'écoute et plus on sera à l'observation, que ce soit les étudiants, les équipes pédagogiques, le but, c'est effectivement de tisser le lien parce que nous sommes tous, je veux dire, à n'importe quel moment de notre vie, potentiellement vulnérables. Et en fait, on fait avec ce qu'on vit. C'est-à-dire que des fois, on a envie de dire, on n'a pas du tout envie de dire. Et là, on fait le pari, parallèlement à ce que vient d'évoquer Pascal Gouilly en termes de ressources dans les IFMK, on fait le pari que peut-être les acteurs relais seront des éléments supplémentaires à l'optimisation. Et l'objectif, c'est d'éviter les situations qu'on vient d'évoquer, les chiffres que tu viens de donner. Voilà. Bien, merci beaucoup. Professeur Galam, est-ce que je peux vous redonner la parole? Est-ce que vous pouvez vous lancer sur votre présentation, s'il vous plaît? Oui, c'est bon, là, vous m'entendez? Je vous entends. Moi, personnellement, je vous entends très bien. Bon, alors, je vais y aller. Avant la présentation, très rapidement, je voudrais revenir, encore une fois, sur la richesse de ce que j'ai entendu. La richesse à la fois sur le plan des thématiques, sur le plan conceptuel et le potentiel, c'est-à-dire à la fois c'est très riche et on voit le potentiel. Quand on ouvre la voie à l'auto, on s'autorise à parler de son vécu,
Une fois qu'on sort le bout de son nez et qu'on voit que c'est pas trop dangereux parce qu'on est respecté, qu'on n'est pas maltraité, la parole augmente et prend de plus en plus de force parce que partie des pratiques, c'est toujours ça le plus riche. Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est on préfère travailler avec des gens qu'on connaît, c'est-à-dire ses pairs, ses enseignants, plutôt que le psy de service ou le spécialiste qui va venir parce qu'on a fait appel à lui. Deux autres points avant que je commence ma présentation. Encore une fois, il n'y a pas que du psy, mais il y a toujours du vécu. Et le vécu n'est pas que psy, le vécu, il est aussi concret, comme on l'a dit tout à l'heure. Et puis, il n'y a pas que du négatif. Puisque je dirais, bien sûr, personne n'a cherché cette crise Covid, mais je dirais que grâce au Covid, ça a donné une dynamique encore plus forte aux besoins, à la nécessité, et j'ajoute la légitimité de prendre soin de nous pour rester dans la course et pouvoir avancer. Ce que je vais vous présenter maintenant très rapidement, c'est juste un avant-goût, un peu un apéritif, c'est des éléments théoriques qui sont à la fois très pertinents, mais relativement moins intéressant que tout ce que vous avez dit en partant de vos pratiques. Mais peut-être que ça peut aider un tout petit peu à structurer les démarches qui ont été présentées et les approches. Je voulais vous parler donc très rapidement bien sûr, de la relation d'aide, puisqu'il s'agit de ça. Est-ce que vous pouvez mettre mon diaporama? Voilà. Il est lancé, votre diaporama. Ça y est, Oui, il est parti. la relation d'aide, puisqu'il s'agit de ça. Et puis, alors, je vais très vite parler de la relation d'aide idéale. Mais déjà, rappelons-nous qu'ici, il est question d'une relation d'aide pour quelqu'un qui n'a pas forcément demandé. Il peut avoir demandé, mais le plus souvent, il n'a pas demandé. Dans un cadre qui n'est pas forcément désigné comme tel, c'est-à-dire que je ne tape pas à la force du psy ou à la porte de celui qui est censé m'aider, mais c'est quelque chose un petit peu de couloir, comme on dit, qui n'était pas forcément prévu, dont on avait envie, mais dont on avait peur, et donc dans le cadre qui n'est pas forcément prévu pour cela. Donc déjà, pour dire que notre travail est à la fois très pertinent, puisqu'il va s'ancrer sur quelque chose de concret, de réel et qui pose problème et dont on a besoin de parler mais qu'on n'ose pas le faire parce qu'on croit qu'on n'a pas le droit, et délicat parce que les structures sont à préserver. La diapo suivante. Donc tout ça pour dire que le prérequis pour nos acteurs relais, c'est à la fois d'être vigilant, c'est-à-dire de regarder ce qui se passe, mais de regarder avec sensibilité, c'est-à-dire pour voir apparaître les choses qui ne sont pas forcément évidentes à tous, d'être proactif, c'est-à-dire aller vers, et puis aller vers de manière délicate pour pas faire peur à l'autre et ne pas décider à la place de l'autre. De toute façon, les gens ne se laissent pas faire quand on leur propose quelque chose qui ne leur convient pas. Donc le prérequis, en plus de la vigilance, proactivité, délicatesse, il y a aussi d'être vu, d'être visible, d'être crédible, en ce sens qu'il faut que les gens qui repèrent, des gens à qui on peut s'autoriser à parler de manière plus ou moins approfondie, sont des gens compétents et qui vont respecter la confidentialité. Donc tout ça, bien sûr, c'est des choses à développer, mais c'est extrêmement important, la confidentialité, et puis le libre choix. Allez, à diapo suivante. Je vais très vite, hein, parce que je sais ce qu'on a dit, et voilà. Alors là, je vous présente quelque chose qui est très important pour moi, c'est les conditions de la relation d'aide selon Carl Rogers, qui a développé ce qu'il appelle l'approche centrée sur la personne. Bien sûr, c'est quelque chose qu'il faudra détailler, développer, mais en gros, si on veut aider quelqu'un, alors qu'on part du postulat qu'on ne peut aider personne, sauf aider les gens à s'aider eux-mêmes, parce qu'on aide quelqu'un qui est tombé, on l'aide à se relever, mais si il ne sait pas se relever tout seul, ça ne va pas aller. Il faut travailler sur qui on est. Donc effectivement, ces acteurs relais ont besoin à la fois d'une formation, mais aussi d'une bonne réflexion sur qu'est-ce qu'ils pensent faire, quelle conception ils se font de leur fonction, etc. Et donc, il faut travailler sur le soignant, il faut travailler sur les cadres, les demandes et les compétences. Et comme on l'a vu dans la diapo précédente, le cadre pour l'acteur relais n'est pas forcément très clair, puisqu'on est hors cadre, la demande non plus, et puis la compétence, par contre, oui, elle peut être travaillée encore plus. Et les compétences idéales, d'après Rogers, c'est, tout le monde connaît bien sûr l'empathie, mais l'empathie, c'est en fait le dernier point, qui est l'intelligence, c'est-à-dire le fait de comprendre l'intelligence sensible, comprendre ce que vit l'autre.
en essayant de se mettre à sa place, mais tout en se rappelant qu'on ne l'est pas. Mais Rodger se dit, mais pour être empathique, c'est pas si simple, parce que le plus souvent, on a tendance à juger les autres. Et pour être vraiment empathique, il faut être capable de ne pas juger, donc être totalement tolérant sur la situation de l'autre, ce qu'il fait, ce qu'il ne fait pas, ce qu'il veut, ce qu'il ne veut pas, etc. Et si on ne peut pas être tolérant, alors peut-être qu'on n'est pas tout à fait à sa place. Et donc ça, c'est la notion d'identité. L'identité, c'est qu'est-ce que je fais avec cette personne qui m'a rien demandé? En quoi suis-je légitime pour lui tendre une main dont j'ai pressenti qu'elle c'était bienvenue, mais il faut pas que je casse le moment, l'opportunité qui peut-être m'est donnée de tendre cette main de manière délicate. Et donc, dans l'idéal, on ne peut pas aider quelqu'un qui n'a pas demandé, qui n'est pas d'accord. Donc ça, c'est les conditions de la relation d'aide idéale, d'après Rodgers. On passe à la diapo suivante. Alors, dans les conditions idéales, en fait, le mieux, c'est de ne rien dire. Quelqu'un qui vient, qui n'est pas bien et qui a des soucis, si vous le laissez parler, eh ben, il va parler. Pas au début, parce qu'au début, il ne sait pas trop s'il peut, si vous allez le juger, si vous allez faire à sa place, lui donner des conseils qu'il ne peut pas accepter, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle l'écoute active. Alors, l'écoute active, ça se travaille. C'est quelque chose d'extrêmement puissant. C'est-à-dire, si vous entraînez à faire de l'écoute active, vous verrez comme c'est puissant pour celui qui se tait et pour celui qui se sent tiré gentiment, fermement, de manière sûre, vers l'expression de ce qu'il a dit, mais un peu plus que ce qu'il pensait dire initialement, parce qu'il attendait que l'autre reprenne la main et dise son point de vue, et finalement l'autre lui confirme que il est toujours là, ça l'intéresse toujours, et il va pas décider à votre place. Donc on travaillera ça, donc un silence, le silence est très important, mais qui doit être détendu, patient et attentif. La reformulation qu'il faut travailler, et puis en gros l'idée c'est qu'il faut laisser l'autre parler. Et si on est capable de ça, mais c'est pas facile du tout, hein. Si on est capable de ça, alors ça vient tout seul. Le plus souvent, lorsqu'on parle alors qu'on a coupé la parole à l'autre, le mieux qu'on ait fait, c'est qu'on a perdu du temps. Alors que si on a su se taire, on se rend compte que les choses vont sortir toutes seules. Et voilà. On continue sur la diapo suivante. On m'a dit 10 minutes et j'aime bien respecter. Alors, une lecture possible aussi dans l'idéal, c'est ce que vous savez, c'est ces étapes du changement de Prochaska pour l'addiction. Alors, tout ça pour vous dire qu'il y a des moments où la personne est d'accord pour changer. À ce moment-là, c'est pas la même chose que celle où elle n'est pas d'accord. Dire à quelqu'un qui veut pas du tout arrêter de fumer, mais est-ce qu'il faut que tu arrêtes de fumer? Bon, ça sert à rien. Au pire, il vous tolère et sans plus. Par contre, lui poser, c'est ce qu'on appelle le conseil minimal. Mais où t'en es? Tu fumes? Ah oui, d'accord. T'as pas pensé à arrêter de fumer? Ah non. Bon, d'accord. Ok. Eh ben, savoir dans quel registre on est. Est-ce qu'on est dans un registre où l'action est autorisée, ou est-ce qu'on est dans un registre où on peut juste signifier à l'autre que si jamais il est intéressé, il y a peut-être quelque chose à faire avec ou sans moi. C'est très important donc de pas agir là où on n'est pas. Là aussi, c'est des conditions idéales. On va sur la diapo suivante, et ça pose un certain nombre de questions pour le soignant aidant. Ce qu'on appelle ODE, on appelle soignant aidant, c'est d'une part, est-ce que je suis concerné? Deuxièmement, est-ce que je suis vraiment motivé? Est-ce que j'ai envie d'aider cette personne? Après, est-ce que je suis légitime? Dans quelle mesure je suis légitime? Je le suis probablement, mais jusqu'où? En tant qu'être humain, en tant que collègue, en tant qu'enseignant, en tant que soignant, mais l'enseignant n'est pas un soignant. L'enseignant est un enseignant. Le collègue n'est pas un soignant. Par contre, il peut être un aidant collègue. Et puis, est-ce que je suis compétent? Et donc, c'est ça qu'il s'agit de travailler. Et travailler la compétence, c'est aussi travailler sa position, donc sa légitimité, sa motivation, la disponibilité qu'on a. Quand je pose une question, alors, et madame, vous avez déjà subi des violences? Et paf, la dame qui s'y attendait pas, tout d'un coup, elle dit, oui, comment vous savez, elle se met à pleurer. Ben, si je ne suis pas capable de connaître la question d'après, que dites-vous après avoir dit bonjour, disait Éric Berne. Si je n'ai pas la capacité de répondre à ce que j'ai éveillé, il valait mieux me taire. Donc, c'est des choses qui se travaillent, notamment dans ce cadre un peu hors cadre. On passe à la diapo suivante. Donc, une relation qui est hors cadre, où il n'y a pas de demande formelle, que la personne, souvent, n'est pas bien. Et que donc il faut bien, on n'est pas ni dans un soin en position définie, ni en prendre soin forcément, ni en prendre soin en situation non professionnelle. Alors le plus souvent pour les acteurs relais, c'est une situation professionnelle hors cadre, puisque on est en tant que,
étudiant père, qui est un père et qui comprend ce que j'ai et qui peut à la fois me comprendre et ne pas trop me juger, mais on n'est pas censé être là pour aider. Par contre, bien sûr, si on le fait bien, ça peut être très très utile. Avoir un vrai désir d'aider et être capable de s'autoriser ou d'autoriser à l'autre à me demander de l'aide et voir à accepter que je m'approche de lui sans lui faire peur. Donc un juste positionnement, la notion à développer, c'est donc d'être capable d'inciter, de proposer et d'accompagner en restant toujours à sa place. La position, l'identité reste plus importante que l'intelligence, la sensibilité, etc. C'est très important de savoir bien se positionner. On passe à la diapo suivante. Et donc ça fait relais à l'écoute active, c'est ce que j'appelle une parole écoutante. Une parole écoutante commence par un je. Elle ne dit pas tu, je. Et je, avec je, on peut presque tout dire. Parce que si on se trompe, et ben l'autre dit, mais non, pas du tout, c'est pas du tout, tu te trompes. Mais tu, ça peut être violent si mon tu n'est pas juste. Donc il vaut mieux dire je suis truc ou machin, est-ce qu'on peut se parler, j'ai l'impression que, est-ce que je me trompe? Toujours avancer de manière très modérée, affirmée, mais délicate, et en s'assurant qu'on ne va pas trop loin. Est-ce que je pourrais vous aider? Et puis après, ben, on développe quelque chose qui va être des ressources, des outils, des dynamiques qu'on ne va pas probablement, nous, en tant qu'étudiants relais, acteurs relais, ce n'est pas nous qui allons porter ça, mais que la personne se sente, qu'elle ait des pistes concrètes, psy ou pas, mais des pistes concrètes et des perspectives concrètes qu'elle va activer plus ou moins rapidement, et aussi un accompagnement humain de quelqu'un que j'ai repéré, que je connais, qui est fiable, qui est intègre, etc. C'est quand même drôlement, drôlement utile. Après, bien sûr, il y a tout le travail de reconstruction, de positionnement de soi-même. Qu'est-ce que je veux faire de ce métier? Comment je vais trouver le juste équilibre, etc. Donc, c'est quand même une affaire de toute une vie. On passe à la diapo suivante. C'est carrément la dernière. Je vous dis, je préfère aller vite. Donc, le premier mouvement, c'est: est-ce que je veux vraiment être acteur relais? Est-ce que je suis capable de l'être parce que j'ai compris qu'un acteur relais est un acteur, mais qu'il est relais, c'est-à-dire qu'il reste à sa place? Il est très important. Rappelons-nous la très belle chanson de Brassens sur l'Auvergnat, hein. Il peut sauver des vies, mais il doit rester à sa place. Il y a des cas où il faut intervenir, mais le plus souvent, il vaut mieux inciter l'autre à prendre la parole, à comprendre qu'il est important aussi pour lui-même et pour moi en tant qu'acteur relais. Et donc, il mérite d'être accompagné. Ça se travaille dans la vraie vie, pas que dans la théorie. Et donc, ça nécessite un entraînement, une conception, donc, de la position de l'acteur relais et de l'aide. Voilà un peu ce que je pouvais vous dire. Il y a encore, bien sûr, beaucoup de choses, mais je voulais respecter le timing. Je trouve que c'est important. Voilà. Merci de votre attention et je suis prêt à répondre à vos questions si vous le souhaitez. Mais merci infiniment, professeur, de cette présentation. Je voudrais vous faire part de. Il y a eu beaucoup, beaucoup de réflexions là. Je vais faire un résumé là. En fait, bien évidemment, la personne référente semble être absolument indispensable dans le dispositif. On nous signale que la personne doit être une personne en qui on doit avoir confiance. Oui. Parce que l'étudiant ira facilement se confier auprès de sa famille, mais aller se confier à un tiers, il faut forcément qu'il y ait un lien de confiance. Vous le confirmez, professeur? Juste un point par rapport à la famille et de la confiance indiscutablement. La famille est trop proche, un, et deux, elle ne connaît pas le métier. Donc l'optimal, c'est le tiers qui est un père et en qui j'ai confiance et qui va pas prendre trop de place dans ma vie. Un père. Voilà. Mais un Un père père, PAIR, on est d'accord. PAIR, pas un père d'une mère, hein. Pardon. D'accord. Non, mais ça, c'est ce qui ressort effectivement des nombreux témoignages que je viens de recevoir. Donc, un élu, enfin, je vais le citer d'ailleurs, puisqu'il n'est pas anonyme, Thierry Delapierre, est un peu réticent, un peu réservé, j'allais dire, sur le fait que le référent soit une personne de l'IFMK, de l'Institut. Je laisse. La responsabilité de ses propos, mais il considère que si la personne était un tiers à l'institut de formation, ça serait peut-être plus facile pour l'étudiant. Qu'est-ce que vous en pensez, Pascal Gouilly et Adam?
Je comprends l'approche disant qu'il faut quelqu'un de l'extérieur qui aura manifestement la neutralité, mais il faut surtout quelqu'un qui connaisse le système, qui puisse... C'est ce qu'a dit le professeur, c'est ce que vient de dire le professeur. Et je vois difficilement comment mettre quelqu'un en dehors de l'IFMK, sachant que nous avons quand même... À part l'ordre, à part un conseiller ordinal, je ne vois pas. Mais tout à fait, mais on a plein de... Jean-François, nous avons plein de conseillers ordinaux qui font des cours à l'IFMK et les vacataires peuvent tout à fait avoir cette fonction. Moi, je pensais à autre chose au fur et à mesure de cet échange. Il y a aussi nos retraités qui sont extrêmement actifs et qui peuvent avoir le statut de grands-parents. Parce que tout à l'heure, lorsque le professeur disait que, en effet, la famille n'est pas souvent si facilement à l'écoute, les pères le sont plus, mais souvent, ce sont les grands-parents qui sont présents, et c'est très surprenant, d'ailleurs. Juste un point, si je peux ajouter, papa, à ce qui a été dit sur la ressource extérieure, à la fois, elle est bien sûr indispensable. Il y a des moments, il y a des niveaux, il y a des temps où j'ai besoin de quelqu'un qui ne fasse pas partie de mon environnement. Si je veux faire une psychothérapie, je ne vais pas forcément le faire avec un collègue ou quelqu'un de l'IFMK. Mais dans l'acteur relais, dire que ça doit venir de l'extérieur, c'est privilégier la compétence à la présence. Or, le premier mouvement, c'est la présence. Et la présence, c'est-à-dire de quelqu'un qu'on connaît, pour activer éventuellement une demande plus dans la durée de formation, etc., il n'y a rien de mieux que ce que je connais. Le psy du coin, ça ne marche pas, quoi. C'est un peu comme les plateformes téléphoniques qui marchent et qui sont utiles, mais qui sont tout à fait limitées par rapport à ce que peut apporter justement cette notion d'acteur relais. Et acteur relais étant une étape qui peut durer, mais qui n'est pas exhaustive, bien entendu. Et il faut bien sûr des gens de l'extérieur et qui ne nous connaissent pas, etc., quoi. Actuellement, dans certaines... Merci infiniment. Est-ce qu'on m'entend ? Oui, on t'entend. Attends, actuellement, dans certaines universités, il y a ce qu'on appelle des services de soins universitaires, où il y a par exemple des psychologues qui sont à disposition des étudiants. C'est quelque chose qui existe déjà. Il faut que l'IFMK soit très proche d'une université. Mais on peut aller voir un tiers comme ça. Mais je vous avoue qu'il y a peu d'étudiants qui font les démarches seuls, en fait. Et l'idée vraiment d'avoir ces acteurs relais au sein de l'IFMK, c'est d'avoir quelqu'un proche de nous qui va en fait nous rediriger vers un tiers compétent. Vraiment, l'acteur relais n'est pas un psychologue. L'acteur relais est juste là pour détecter, potentiellement écouter, échanger avec la personne. C'est ce qu'on va potentiellement lui apprendre aussi. Mais vraiment, son objectif principal, c'est de relayer vers un tiers qui, lui, sera encadré la personne en détresse. Mais je reprends les mots du professeur. J'ajoute un point, Adam. Détecter et être détecté, c'est-à-dire que le plus important, c'est d'être repéré comme quelqu'un à qui on peut parler en cas de difficulté. Cette notion de proactivité, ça rejoint la notion d'écoute active qui consiste à se taire. La proactivité est beaucoup plus puissante lorsqu'elle incite l'autre à venir vers moi. Oui, absolument. D'accord. Parce que j'ai beaucoup aimé votre phrase, professeur, quand vous dites « j'ai l'impression que », c'est tout à fait ça. On sait qu'il y a un psychologue à l'université, mais on n'a pas forcément conscience qu'on a besoin de ce psychologue. Et le fait de pouvoir avoir ce tiers de confiance qui peut ouvrir ce dialogue en disant peut-être j'ai l'impression que tu n'es pas bien en ce moment, est-ce que tu veux en parler, et que ça peut ouvrir, pas forcément aujourd'hui, mais peut-être une semaine après, et déboucher vers une orientation ou une information, ça me paraît tout à fait essentiel. Donc oui, je pense que c'est sur la proximité au sein de l'IFMK. Je ne pense pas que ça puisse être en dehors, moi non plus. Alors je note que Elisabeth Crouzol nous précise que dans son IFMK, alors je ne sais pas quel est son IFMK, il y a 3 psychologues qui interviennent à ce sujet régulièrement. Mais moi, si je ne suis pas bien, je n'ai pas envie de voir le psy, hein, franchement. Ça m'intéresse pas. Oui, ça me je comprends. Je n'ai pas envie de voir le psy, je préfère parler à quelqu'un. Et si je vois le psy, ça ne vous regarde pas, ça ne sera pas dans le cadre professionnel. Exactement. Ouais, mais je vous comprends, parce que aller voir le psy, c'est déjà mettre une étiquette sur son mal. Je ne sais pas si on m'a entendu là. Oui, tu si. Allô, allô. Dans bon nombre d'IFMK, nous avons des relations très
proche avec la médecine universitaire et entre autres avec la cellule psychologique. Et lorsqu'on a détecté quelqu'un à problème, on lui propose, parce qu'on ne peut évidemment pas lui imposer, mais on lui propose, on lui donne les coordonnées, on va même plus loin, on propose de prendre un premier rendez-vous. Et après, bien évidemment, il n'est pas question d'aller plus loin. Mais c'est un élément extrêmement important, chacun son métier, chacun sa compétence. Si je peux donner un exemple concret. Un étudiant qui ne donne plus de nouvelles pendant 2 semaines, bah le psychologue, il ne va pas être au courant. Donc, il ne va pas potentiellement mettre le point dessus. Alors que s'il y a un étudiant relais ou une personne de l'équipe pédagogique qui est acteur relais, bah cette personne, elle va pouvoir échanger. Tiens, Jérémy, ça fait 2 semaines qu'on ne le voit plus à l'IFMK, je sais qu'il avait potentiellement des problèmes. Bah, ça va être une alerte. Et bah, les personnes dans l'IFMK vont pouvoir s'en rendre compte, alors que bah, le psychologue qui est à l'IFMK, bah, il ne pourra pas. Oui, Pascal. Adam, oui. Il est évident que quelqu'un qui est absent plus de 2 jours sans explication, on a immédiatement un système de veille pour savoir ce qu'il en est et pourquoi il n'est pas là. Hein. C'est d'une évidence. Ça commence même quand on a un examen. Si quelqu'un arrive en retard, on essaye de se donner les moyens pour savoir si par hasard, il n'y a pas eu des choses qui peuvent relever des trucs très physiques, style une intoxication au CO2 ou par exemple d'autres choses. Donc ça relève bien évidemment du minimum, je dirais, vital. Dans tous les IFMK, je voudrais vous faire part. Pascal, ou ça, c'est chez toi? Dans tous les IFMK ou chez toi? Ah voilà. Non, c'est dans tous les IFMK. La notion de traçabilité et de présence, c'est le minimum vital. Tout à voilà, fait. C'est bon de le dire. Alors, hein, que c'est... Je voudrais vous faire part de la réflexion de Judith Besson, qui rejoint effectivement ce qui a été dit, notamment par le professeur. Étudiante actuellement, je vous rejoins sur l'importance d'un acteur relais. Néanmoins, je me demandais si ces acteurs relais seraient eux-mêmes accompagnés. Oui, il doit. Enfin, on ne peut pas accompagner quelqu'un n'importe comment. Il faut être formé, avoir une connaissance. Une simple écoute attentive ne suffit pas, professeur. Excellente question. Il faut une supervision pour tous ces gens-là, ne serait-ce que pour un partage d'expériences et de difficultés. Les difficultés sont enrichissantes, mais il faut les travailler. Et dans nos métiers de soins, on a un déficit de formation. Qu'on peut qualifier de psychologique, mais je qualifierais de relationnel, d'humaine, un peu les groupes Baleine, si vous savez ce que c'est. Mais oui, bien entendu, c'est très bien de préciser, il faut impérativement qu'il y ait un accompagnement. Mais ça, c'est dans la vraie vie et dans l'idéal. Après, on fait ce qu'on peut. Mais qu'il y ait de toute façon, pour ces acteurs relais, un point de rencontre régulier et un recours facile pour partager des questionnements, des hésitations, des doutes ou des difficultés, ça me paraît indispensable, ça fait partie du deal, quoi. Ouais. Bah nous, on a Michel Arnal, déjà, au Conseil national, qui a été formé chez vous. On nous rappelle aussi qu'il y a une unité, au sein de notre référentiel formation, une unité d'enseignement dans la formation spécifique sur ce sujet qui est assurée par les psychologues. Je l'ignorais, je ne connais pas le référentiel suffisamment bien. Je vous l'ai dit tout à l'heure et j'ai même rajouté que c'était l'une des UE où il y avait le moins de participation des étudiants qui nous disent souvent ça ne nous intéresse pas. Je comprends tellement cette réflexion puisque moi je suis chargé de cours de législation et de déontologie dans 3 IFMK. Ça me parle ce que tu viens de dire, ça me parle un petit peu. Pour donner une réponse à Pascal Gouy. Attendez, le professeur voulait parler. Non, mais allez-y, ça fait rien. Bah pour donner une réponse à Pascal Gouy sur le non-intérêt de cette unité d'enseignement sur la psychologie, et une réponse qui peut être simple, c'est peut-être que c'est trop du théorique, et ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir un peu plus de pratique. Il en faut du théorique, on est d'accord. C'est essentiel pour comprendre la suite, mais potentiellement de la pratique, savoir en fait parler aux patients, savoir... savoir gérer en mise en situation pratique, en fait, un moment où le patient nous dit j'ai essayé de me suicider, j'ai fait une fausse couche, j'ai perdu quelqu'un de proche. C'est plein de situations, quand on est en stage, on le vit déjà, mais c'est plein de situations où potentiellement on aura du
du mal psychologiquement à parler à la patiente. Et avoir la distance, à savoir réagir, et vous voudriez plus oui, de bah, concret. Je pense que avoir plus de concret à ce niveau-là, c'est quelque chose qui nous manque. Et quand on dit on ne s'intéresse pas à la psychologie, vraiment, nous, on a fait un colloque sur la santé mentale lors de notre dernier week-end de formation à la FNEC, qui était vers octobre. Et une des demandes majoritaires, c'est on a besoin de plus de cours sur la psychologie. Et du coup, je ne pense pas réellement que cette unité d'enseignement n'intéresse pas les étudiants. Je pense juste qu'elle est mal adaptée à leur intérêt. En fait, je fais moi le parallèle avec la légis. La légis brute de décoffrage, réciter les articles du code de déontologie, ça n'intéresse personne. Dès lors qu'on illustre avec des cas pratiques, alors là, l'oreille est beaucoup plus attentive. Pour peu que les cas soient parfois croustillants, alors en plus, les étudiants sourient et ils sont très attentifs. Pascal, tu vas répondre, mais je voudrais que le professeur reprenne la parole parce qu'il voulait aussi répondre. Professeur, allez-y. Ah, d'accord. Alors, c'est très important ce qui a été dit. Bien sûr, et c'est aussi très intéressant de mettre en parallèle le législatif et le psy, qui sont deux registres un petit peu extrêmes, loin l'un de l'autre, et qui, pour lequel on a vraiment un déficit de formation et un désintérêt global. Mais la clé, vous l'avez dit tous les deux, autant l'un que l'autre, c'est que l'important, c'est de partir des pratiques, c'est de partir de l'expérience. On a parlé tout à l'heure d'andragogie, on a affaire à des gens qui non seulement sont des adultes, mais en plus qui ont une expérience professionnelle. Et si on part des expériences, c'est tout de suite incomparablement plus riche et plus pertinent d'amener des outils théoriques adaptés aux expériences. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas qu'il y ait du tout de théorie. Bah, vous avez, vous, de la théorie anatomique, et pourquoi il n'y aurait pas aussi un peu de théorie psychologique ou législative. Mais il faut que cette théorie s'ancre, partent à partir des pratiques plutôt que le contraire, quoi. En gros, c'est le professionnel et non le psy. Et ça, c'est une clé majeure. Quand je disais tout à l'heure que la clé majeure, c'est prendre compte du soignant en tant qu'être humain professionnellement impliqué vis-à-vis d'un autre être humain, c'est pas du psy, c'est du professionnel. C'est parler des doutes, c'est parler des idéaux, c'est parler des conflits, c'est parler des erreurs, c'est parler des vulnérabilités, des jalousies, des tentations. Et ça, c'est aussi du psy, mais c'est vraiment, c'est ça qui intéresse les gens, d'être aidés dans leur pratique quotidienne. On est tous confrontés, la richesse qu'on a en tant que soignant, on est confronté à des gens qu'on est censé soigner, des humains, des situations, on a plein d'histoires à raconter. Et à partir de ces histoires, on va être demandeur d'outils théoriques qui sont adaptés, pertinents, synthétiques, et ceux qui sont intéressés vont chercher plus loin. C'est pour ça que moi j'aime beaucoup Carl Rogers, comme j'ai dit tout à l'heure, parce qu'il a une approche qui n'est pas du tout théorique. En gros, l'approche de Rogers, c'est je peux faire confiance à mon expérience. Et si je pars de mon expérience, je peux développer beaucoup de choses. Et l'expérience de l'autre m'intéresse aussi dès lors qu'elle est proche de moi. Alors, en toute transparence et en parfaite honnêteté, je dois vous dire qu'on reçoit des messages anonymes qui ne sont pas signés. Mais je n'aime pas trop ce qui n'est pas signé, mais il n'y a pas lieu de ne pas les citer parce que ça peut paraître effectivement correspondre à une réalité. On nous dit, anonyme nous dit que dans de nombreux IFMK, il n'y aurait pas de référent attitré. Je laisse ça à votre réflexion, je ne suis pas là pour confirmer ou infirmer la chose. Anonyme aussi nous dit que dans les IFMK, on ne s'inquiète pas des absences des étudiants. Parfois, après plusieurs jours sans nouvelles de l'étudiant, rien n'est mis en place. Je pense qu'on ne peut pas généraliser, mais je vais laisser la parole quand même à Pascal Gouilly. Et anonyme encore nous dit... il n'y a pas ce genre de TP dans tous les IFMK, c'est même plutôt rare. Je pense qu'il parlait des TP, je pense qu'il parlait de la formation psy. Pascal, qu'est-ce que ça t'inspire, ces réflexions de l'anonyme ? Rapidement, puisqu'on en a déjà. Oui, rapidement. J'arrive pas à être étonné, mais bon, chacun peut s'exprimer sans le moindre problème. J'ai aucun élément quantitatif pour dire si c'est 100% qu'on a référent, 100% les absences. Je suis, concernant les absences, là, je suis extrêmement étonné parce que on est très à cheval là-dessus pour plein de raisons. Simplement, le fameux UE pour votre gouverne, c'est l'UE 23, intervention spécifique.
Avec l'observation, l'objectif numéro 5 est entre autres savoir repérer, orienter, accompagner un patient dont la prise en charge kiné est compliquée par une psychopathologie. Et ça, c'est un élément important. Alors, je rassure Adam, nous avons des praticiens qui viennent avec des TD, des éléments de pratique, etc. Mais on sent bien qu'entre ce type de TP et par exemple un TP de technologie de kiné ou de thérapie manuelle, l'intérêt est totalement différent et c'est totalement humain. Nous avons été étudiants avant d'être enseignants. Bien, merci infiniment. Je crois que je vais donner la parole à la présidente, notre présidente adorée, puisqu'on arrive au terme de ce débat. Merci beaucoup. Eh bien, écoutez, j'espère. Je crois que maintenant, il est temps de présenter la journée du 20 mai, hein, puisque nous opérons par strates, hein, comme vous le savez. On s'est déjà vu il y a 15 jours maintenant pour parler de la première marche que nous voulions vous annoncer avec Adam, hein, ce déblocage de 40 000 euros. D'ailleurs, 40 000 euros pour le moment. Alors, je ne vais pas m'avancer, bien évidemment, et je n'ai pas le mandat de mon conseil, hein, puisque tout cela ne peut faire l'objet que d'un vote du conseil. Mais je pense que s'il s'avérait que la demande est très forte, avec des situations extrêmement critiques, et que la FNEC nous alerte là-dessus, nous pourrions soumettre au Conseil national peut-être d'essayer d'aller plus loin. Mais ça, évidemment, nous avons un conseil dans 15 jours maintenant, et nous en parlerons à ce moment-là, et c'est quelque chose que je soumettrai au Conseil, sans préjuger de la suite. Voilà. Ça, c'est un premier point, mais j'aimerais maintenant qu'on annonce la journée du 20 mai, puisque c'est bien beau. Hein. Là, on vous a présenté un petit peu un constat. Je remercie vraiment le professeur Galam qui nous a vraiment éclairé aussi de façon très globale et très intéressante sur l'approche que nous pourrons avoir. Et maintenant, eh bien, écoutez, je vais vous laisser parler de la journée du 20 mai qui est très proche de nous. Qu'est-ce qui va se passer le 20 mai, alors Michel, Adam, je ne sais pas. Alors, Michel. Le 20 mai, effectivement, c'est une journée très, très importante puisque nous terminerons la journée par la reconnaissance de la première promotion d'acteurs relais au sein des IFMK. Alors, le contenu, bien sûr, sur une journée, c'est très condensé. On est bien au fait que c'est une première marche sur laquelle nous allons pouvoir ensuite avancer ensemble et puis échanger. En fait, dans la journée, deux grands ateliers. Un atelier sur la mission perçue de ces acteurs relais. Alors bon, on a commencé à travailler sur l'outil pédagogique qu'on aimerait mettre en place. Parce que la mission vue par les étudiants, la mission vue par les IFMK, ça c'est important. Puis après, une table ronde qui débouchera sur les échanges de façon à retenir, entre guillemets, un cahier des charges de la mission de ces acteurs relais. Le deuxième grand temps d'atelier, et ça c'est pour répondre à cette notion, on fait ensemble, on est acteurs et on fait ensemble, c'est d'aborder ce que nous aura exposé le professeur Galam sur cette notion d'abordage, comment on aborde un étudiant en difficulté. Il en a donné les grandes lignes et j'espère qu'il vous a incité à vous engager dans la démarche. Et là, j'aimerais bien qu'on arrive à mettre en place des petites scénettes qui mettent en évidence comment ça se passe dans le concret, dans la pratique. Et là, même chose, table ronde qui résume un petit peu cette notion d'abordage et d'ancrage. Et puis, une journée dans laquelle on devrait intégrer effectivement l'identité des ressources sur lesquelles les étudiants peuvent s'appuyer. Donc là, les ressources, telles que les voient les étudiants, telles que les voient les IFMK, c'est-à-dire qu'on fait ensemble. Et puis, je dirais sur l'après-formation, c'est quoi? Parce que on va avoir des gens acteurs relais qui vont commencer, entre guillemets, leur mission, leur parcours sur l'année scolaire 2021-2022. Et que vont-ils devenir? Je pense que Eric Galam, le professeur Galam, l'a évoqué. C'est après, il faut échanger entre nous, acteurs relais, il faut faire quelque chose. Ça sera bien sûr
l'objet également d'une table ronde dans laquelle nous pourrions effectivement avoir des témoins d'autres horizons et échanger avec eux. Adam, oui. J'aime bien le terme échange est revenu à nombreuses reprises dans votre discours. C'est vrai qu'il y a des moments théoriques, on est obligé d'en mettre, sinon... C'est une formation. Voilà, ça reste aussi une formation. Mais le grand principe de cette journée, c'est que cette formation, ça va être les acteurs relais qui vont la créer au final. Bien sûr. Que les acteurs relais, ils vont définir leur futur rôle. Ils l'ont dit au moment d'une table ronde et d'échange entre personnes de l'équipe pédagogique et étudiants. Et tout au long de la journée, ça va être ça. Échanger sur comment on va arriver à écouter, échanger sur qu'est-ce qu'on veut après. C'est vraiment important de montrer que, dont je disais tout à l'heure, l'andragogie, l'échange entre les personnes, l'échange d'expérience, va permettre de créer une formation. Vous serez vos propres formateurs, en fait, pendant toute une journée. Et c'est ça qui va vous permettre d'être à l'écoute et d'être un bon acteur relais plus tard. Ou en tout cas un acteur relais comme vous voulez l'être. Merci Adam. Alors on me fait signe de tous les côtés qu'il faut absolument conclure, mais je ne peux pas conclure, sans laisser une dernière fois pour trois mots la parole à Pascal Gouilly et au professeur Galam. Et ensuite, je remercierai tout le monde. Pascal, trois mots. Parce que si tu voyais les regards qu'on me lance, tu n'imagines même pas. Écoute, échange et pérennité dans le temps, parce que je confirme et nous sommes en phase là-dessus. Merci. Professeur ? Alors moi, je me réjouis de notre échange et des perspectives que ça ouvre, et j'ai une entière confiance en la dynamique de la parole qui se libère de manière compétente et optimiste. Merci à vous. Merci Jean-François Dumas. On te remercie d'avoir assuré justement la coordination à distance, ce qui n'est pas facile. Moi, il me reste à remercier toutes les personnes qui étaient connectées pour cette conférence en ligne. Vraiment, merci de l'intérêt que vous manifestez pour cela. Merci aux IFMK, parce que c'est courageux, c'est pas facile, les remises en question et quelquefois... je ne vais pas dire les remises en cause, mais évidemment, les questionnements des étudiants sont souvent difficiles à entendre et vous êtes toujours à l'écoute, et ça, je ne peux que vous remercier. Évidemment, Adam, je l'ai déjà dit, je suis ravie de nos échanges. Michel Arnal, heureusement que je peux m'appuyer sur toi pour mener à bien ce projet qui nous tient particulièrement à cœur. Et donc, on se retrouve le 20 mai pour la suite et pour construire véritablement ce beau projet pour améliorer le bien-être des étudiants. Merci à tous et à très bientôt.